Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Moi, ce qui attire mon attention dans tout cet ohibouille de ces manipulatrices de sœurs qu'on a sur les réseaux et que je vous ai dit hier, que moi je suis en train de prendre mon envol, je les laisse dans la boue et la saleté. Je ne vais pas les répondre dans le sens qu'elles s'attendent que je vais répondre. Je ne vais pas répondre dans le sens que je vais essayer de action-réaction. Il y a beaucoup de mensonges, des états mensongers dans tout ce qu'elles disent. Voilà. Et sur Meta, je suis la seule jurisprudence qui couvre le dossier de ma CCC. Donc, cliente, copine chaud, la femme qui a essuyé la plus grande humiliation et le plus grand lynchage des réseaux qui en est sortie brandie et plus que forte et qui avance à l'écu. Attends un peu. Donc, c'est un peu ça qui avance à la vitesse de l'éclair, qui en sort brandi de tout ce qui se passe. J'ai eu tous les noms d'oiseaux sur mes tâches. C'est-à-dire que moi, là, excusez-moi, là, mes noms d'oiseaux, je les assume, vous comprenez? J'ai eu tous les noms d'oiseaux, j'ai été traitée de tout, d'une femme qui vit dans une voiture en plein hiver. On ne peut même pas vivre dans la voiture, mais c'est là que je vivais. J'avais une voiture avec un volant percé, j'avais pas mal de choses. Ceux qui même se moquaient du volant, eux-mêmes, je les ai vus avec des volants percés ici sur mes tâches, entre autres mon gars Guigui, que je souligne ici. J'ai été insultée que j'ai même pas de maison, j'ai perdu ma maison. J'ai eu beaucoup d'injures ici sur Meta, mais Dieu merci, je suis sortie brandie. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes avancent sur les réseaux au mirage de ma personne. C'est-à-dire que je suis une impacteuse dans le positif, je suis une influenceuse, j'ai une voix qui porte. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai deux sœurs, Dorcas et Nadège Ngobapa, qui sont en train de m'insulter parce que j'ai refusé d'entrer dans la proposition de Nadège pour clasher compresseur. J'ai refusé en âme et conscience parce que j'ai regardé, j'ai mesuré le pour et le contre. J'ai vu que dans ce conflit qui démarrait en décembre, que monsieur me sentait en train de bouffer tous les cahiers de sommes de manipulation qu'il a faites, je me suis rendu compte qu'on me demandait d'être recruté pour l'accompagner là-dedans. Et j'ai refusé. J'ai refusé modicus. J'ai dit que je refuse parce que je trouve que ce qu'il est en train de bouffer est très bien. C'est-à-dire qu'il n'a que ce qu'il mérite. Donc, moi, j'ai refusé de... Et mon peignoir que je porte, là, c'est un Victoria's Secret. Hein. Voilà. Vous savez, j'aime beaucoup les choses de Victoria's Secret. Voilà, c'est un Victoria's Secret. Dans mon salon. Dans ma maison. Mon domicile conjugal. Les vieilles chouettes. Donc, du coup, ces filles sont sur moi en ce moment. Pas tout, mais elles aussi. Parce qu'il y a quelques semaines, comme 8 semaines passées, toute l'équipe de ces filles-là ont insulté copieusement Patoula, traitant de manipulatrice dans ce conflit qui démarrait. Parce que j'ai tapé sec. Je suis celle qui est sortie c'est-à-dire que j'ai mis Tatana à nu. J'ai dit que Tatana, c'est toi qui as tout organisé. Voilà. C'est comme ça. Et Tatana s'est fâchée. Après, ils ont fait des clashs sur Patricia. Parce que souvent, on cherche le bouc émissaire. C'est-à-dire, en ce moment, la moins chère, c'était Patricia. Tu es méchante. D'abord, ils ont commencé à dire que c'était moi. Après, ils ont dit Patricia. Tout ça, Patricia a fait vu et ignoré. Aujourd'hui, quand Patricia ne saurait pas, les gens s'étonnent. Comme Mila Tempo, qui a croisé Patricia, du cadavre, et qui s'étonne. Ah, vraiment, Patricia, tu pouvais faire vieux. Genre, vous allez botter, vous allez insulter les gens matin, midi, souvent, tout faire vu et ignoré, qu'ils ont peur de vous, que vous êtes les qui? Vous payez la connexion de qui? Les téléphones, tout le temps, que quelqu'un s'assoit pour communiquer, c'est vous qui vous couvrez ce temps-là avec quoi? Pour qu'on ait peur, ou bien quand vous faites quelque chose, on ne répond pas. Parce que vous êtes les... Bien après ça, comme dit veuve, vous êtes les qui, en fait, sur réseau? Non, les gens ont la mémoire courte. Ils ont leur leader qui croit en leur leader, comme quand les gens de feu étaient adeptes de force, ça veut dire que c'était flore ou rien. Donc, il ne fallait même pas que quelqu'un parle sur Meta. Il ne fallait même pas que quelqu'un fasse quelque chose, c'était flore ou rien. Moi, aujourd'hui, ils ont compris qu'elle est leur flore, là, non. Elle est là, mais il y a aussi les autres. Et qui sont même 100 fois mieux qu'elle. C'est comme ça. Vous allez accepter. Et on va... C'est-à-dire que chacun va suivre son couloir. Ou vrai, non. Mm-hmm. Donc, moi, ce que je trouve déplorable, ce que je trouve déplorable, c'est que les gens vivent dans un pays où chacun a le droit de planifier, d'organiser sa vie comme il pense, mais ils se mélangent, ils se trouvent un beau matin à faire tout et n'importe quoi. Nadège ne va pas s'élever de rien. Par haine, plus jalousie et haine sur sa soeur compresseur, que je ne sais pas ce qu'elle se disait, tous les piments là où elles ont vendu, elles ont encore les dettes des comptoirs de ça, je ne sais pas. Je ne peux pas comprendre ce que Tatana apprend à compresseur. Toujours est-il qu'entre Tatana et compresseur s'est casé. Mais elle a volé Marie de Truy, elle s'est casée avec Thierry, Marie de Truy. Tatana, on ne connaît pas. Le gars qui avait la guitare, peut-être les argots, je ne sais pas. Mais viens la voir.
viens la voir. Et aujourd'hui, elle a fait le direct. Elle m'a clashé, paraît-il. Parce que moi, elle est bloquée. Je ne vois pas ses directs. Mais elle dit, je ne te clashe pas pendant 20 minutes. Elle me clashait. Elle m'a dit, je ne peux pas te clasher. Elle me clashe. Je ne peux pas te clasher. Elle me clashe. Tatana, je ne peux pas entrer dans ça avec toi. Tu sais que tu connais, non? On a fait du clash sans motif. Parce que tu supportais Flore. Hmm? Parce que tu supportais Flore. Oui, oui, oui. Tu supportais, tu disais que j'exagère avec Flore. Tu as, que c'est toi, tu es parmi les gens qui m'ont soutenu quand je suis sortie un tour sur Flore à l'époque. Il y a 6 ans, 7 ans. J'ai encore tes messages. J'avais fait lire ça un moment sur Facebook. Ton Adèche, il n'y a rien que tu vas faire qui va me surprendre, ma chérie. Mon, mes choix et mes positions, je les assume. Je suis venue sur Meta une place. J'ai dit une place. Je n'ai pas de team, je n'en veux pas. Et j'étais à bloquer. Depuis hier, là, je bloque les gens. Correctement, et bien, femme, je te salue. Vous comprenez, non? Marie-Mère, je te salue. Je vais répondre à Tatana et Dorcas ici. Tatana, tu peux me clasher autant que tu veux. Je ne vais pas te répondre. Parce que ce n'est pas la première fois, c'est une récidive. J'ai donné la définition de récidive hier. Ce que tu fais, c'est du déjà vu, c'est du réchauffé. Tu ne vas rien dire qui est nouveau. Par contre, il y a un truc que tu essayes de soulever là. Ouais, enfin, je dis qu'il a fini à le partager la cipater, la team logique. Mais oui, mais ces gens sont immoraux. C'est pas possible. Ces gens sont immoraux. C'est-à-dire qu'il y a un manque de moralité dans leur façon de faire. Et ça se passe sur Facebook. Mais vous, vous me demandez qu'on doit fermer les yeux. Par rapport à quoi? Partagez le direct de la femme la plus bio de sa génération, qui est droite sur ses bottes, comme Alain Juppé. Très droite sur ses bottes. Oratrice. Béni en arrivant, béni en partant. Qui me perd a perdu. Je pars, je laisse le fossé. C'est qu'est-ce que c'est ça? C'est qu'est-ce que c'est ça? Katana. Tu te lèves, tu dis que tu ne me clashes pas, tu me clashes 20-25 minutes. Tu me clashes, tu me clashes, tu me clashes, ça fait quand? Jusqu'à tu dis que j'ai volé l'argent. Il faut qu'on vienne sur cet événement. Je n'aime pas la saleté sur mon nom. Tout pour vous va toujours être l'argent. Vous avez toujours tout faire pour passer quelqu'un pour une mendiante. Vous m'avez fait ça quand j'ai fait la paix. Vous m'avez traité de mendiante, de parasite, de. Je ne sais même pas trop. Jusqu'à dire que l'avion même va crasher. En entrant dans le vol, je vous dis que j'entends le vol. Pour vous donner l'occasion de prier pour que ça clashe. J'ai atterri. Bing. Quand je vois que quand tu vois, tu ne dis pas, vous êtes du au revoir. J'ai fait la vidéo du vol, j'ai posé que mon voici. J'ai même fait le direct que je n'ai pas entré. Nous sommes en train d'embarquer. Pour que vous preniez le temps de toucher tous vos marabouts pour qu'on prie, je tombe. Hein? Pourquoi on prie, je tombe? Franchement, faut arrêter. Les vieilles chouettes. Et Anna, tu dis vieille femme à qui? Tu dis à Tatana ou tu parles à moi? Il faut mettre sujet, verbe, complément et dire de qui il s'agit. Parce que c'est moi et t'es blond. Tu comprends, non? Moi, j'ai pas besoin de trop de gens. Hein? Franchement, faut arrêter. Donc, coucou, ma friend finger. Donc, tu comprends? Alors, moi, je ne comprends pas, Tatana, il y a une histoire d'argent avec l'événement de Jeanne Masséline, la styliste, qui convainc que Dekome Amougou, le pasteur, comment je l'appelle? Celui qui fait les phrases, c'est-à-dire que ses phrases sont toujours très courtes, là. Celui qui clash sans phrases, là. Tu comprends, non? Mais Dekome, le pasteur, j'ai un nom que je lui ai donné hier, je ne sais même plus. Dekome Amougou, je préfère garder même son nom, ça fait plus soft, on sait au moins à qui je m'adresse. Mm-hmm. Alors, Dekome Amougou est venu à l'événement de Jeanne Masséline. Il faut que je vous note d'abord quelque chose. Jeanne Masséline, la styliste modéliste qui m'a pris comme event planner de son événement, okay? Elle a me dit directrice de communication, elle avait tellement de noms qu'elle me donnait, Mariam Seul. C'est ça. Celle qui a décidé de me faire deux vêtements qui m'allaient comme un gant, comme ça. Elle m'a regardé dans le tas, elle a décidé comme ça. Elle m'aimait que cadeau. Elle m'a invité à son événement en tant que event planner. Je suis venue à cet événement à Paris. Je tiens à parler de ça parce que j'ai des personnes qui m'aiment et qui me sont chères et qui veulent comprendre ce qui se passe quand on m'accuse d'un vol de 200 euros. Il faut qu'on parle de ça. Je ne suis pas une voleuse. Je ne suis pas une voleuse. Je n'ai pas encore bloqué des comme vous pouvez le taguer ici. Il n'est pas encore bloqué, mais les autres sont les mulas, tout ça, les civils, les sont là bloqués. Je n'ai pas encore bloqué Rêve. Elle est encore là, mais je ne sais pas, c'est tout comme ça s'en vient. Mais moi, c'est comme ça. Quand je vois déjà, il y a vu trop de choses. Mais il y a un jeu qui se fait comme par manière, je fais pas. Donc, je laisse encore. Mais après, quand ça fait une bang, je bloque. Si elle veut, elle peut bloquer avant. Je bloque tous ses pages. Bis, bis, 2 bis, 3 bis. C'est tout. Parce qu'on n'a pas rendez-vous ce matin. Oui, le pasteur a séché, merci. Mais j'ai souvent des mots. Tu vois, quand je regarde, c'est parce que je le vois tellement asséché. Je me dis, il a besoin d'hydratation. L'eau, on doit boire 3 litres d'eau par jour. 3,5. Mais comme il est un peu mince, il peut prendre 2 litres. Et prendre de l'eau alcaline. Ionisé. Tu prends l'eau ionisée, ça dit 9,5 pH ou 10 pH. Tu prends au moins 3 litres. Non, toi, tu vas prendre 2. Parce que même un plat de nourriture te dépasse à manger. Souvent, tu t'assois, tu restes longtemps avec. Donc, pasteur a séché. L'eau, on a 2 litres d'eau par jour. C'est très important.
C'est ce que je peux te suggérer. Parce que tu es très asséché comme personne. Ça m'inquiète souvent. Est-ce que c'est que quand tu injectes, tu fumes, tu dors, et puis après tu te lèves, tu vas au travail, mais tu n'as pas le temps de te nourrir, je ne sais pas. Peut-être que tu avais un ragoût de pomme. Tu as fait 6 heures, 5 heures, 4 heures. Tu n'es pas capable de mettre deux pommes dans la bouche. Tu parles en clachant, en tournant, en tout. Donc je t'ai vu, je vois que tu es très asséché. Regarde, voilà une peau hydratée. Quand je vous parle, voilà ça, hydratée. Une femme, quand elle est assise chez elle, les genres de produits qu'elle a, c'est des produits bio. Que tu vois même seulement le bocal, tu sens que la fleur de bio est dégagée dessus pas mal. Vous comprenez, non? Ces genres de produits-là qui sont sur mes tables, c'est ce qu'on m'appelle ma reine-mère. Tu es une oratrice, ça, tu peux pousser ce produit. C'est un produit que tu peux t'identifier avec. Oui, oui, un pasteur asséché. OK? Et moi, ce pasteur asséché-là, ce que je veux lui dire, c'est qu'il faut que, quand vous décidez de coller des étiquettes aux gens, essayez de bien réfléchir mûrement. Ben, ce n'est pas parce que vous avez dit que vol. On m'a déjà traité de toutes sortes de vols ici sur Facebook. Oui, des personnes avec qui je parle maintenant m'avaient traité. Je ne vais plus revenir dans les détails. Que j'ai volé, il y avait des chaussures. Parce qu'on cherche toujours qu'on veut te descendre. Parce que c'est des gens qui ont des vies du genre. Dès qu'il y a un problème, ils vont venir raconter tout et n'importe quoi pour te passer pour une personne qui est méchante. Tu bloques rêve. Pourquoi? Tu ne vois pas toutes les pics de rêve. Non, tu ne vois pas tous les postes de rêve qui s'adressent à moi. Tu veux que je t'envoie 3 postes? Rêve, je suis en cours parce que Rêve est l'assistante principale de Tatana. C'est sa secrétaire particulière. Je ne sais même pas si elle est comme ça pour Lolo que pour Tatana. Parce qu'elle a acheté ce programme avec 55 pieds. Elle a des postes qu'elle met pour nous narguer tout le temps. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Tu ne lis pas. Tu comment? Vous ne connaissez pas analyser les choses. Il faut arrêter des bêtises que vous faites sur mes talents. Rêve, si elle veut, quand je finis, elle me bloque. Parce que moi, je suis en train de venir sur elle. Tatana est bloquée depuis. Quand j'ai recommencé à reparler, Tatana, elle n'est pas débloquée. On ne fonctionne pas comme ça. Je vais laisser son autre compte qui n'est pas débloqué et encore ami avec moi. Même ça, là, je vais aller bloquer ça tout à l'heure. Elle va être en fourrière pour de bon. C'est celui-là qu'elle utilisait pour venir en tête. Elle me dit, tu m'as bloqué. Je viens de faire une direct là. J'ai répondu à elle. Tu m'as bloqué. Je dis, ouais, Tatana, on va faire comment? Parce que je sais que la possibilité de récidive est là. C'est dans vos gènes, la haine. Vous vivez avec. Je dis que vous vivez avec. OK? Alors, quand vous dites que tu vas bloquer rêve, pourquoi? Vous voulez dire que rêve est sainte? Arrêtez vos conneries. Hein? C'est une petite sœur de choix, je le reconnais. Mais il y a la limite quand même du possible. Il faut arrêter. Voilà. Elle a dit que je cherche les clashs. Quelqu'un peut chercher les clashs plus qu'elle. Rêve a vu tous ces postes qu'elle fait depuis que toute cette crise est arrivée. Rêve n'est jamais sortie. Elle dit que j'avoue que cette affaire, machin, ceci. Elle a même dit qu'elle ne répond pas. Mais Tatana m'a clashé tout à l'heure. Mais le rêve était où? Vous faites comme par manière. C'est comme ça que l'époque de la crise avec l'affaire de mes sangs, que Tatana voulait me recruter est arrivée. Ils ont clashé. Patou, mais elle est si fatiguée. Elles ont joué l'ignorance. Elles ont fait comme si ne connaissaient pas. Quand Patou sort maintenant, elle fait le sensationnel. Vous êtes en train de s'envoler avec vos âmes. Vous êtes en train de vous étonner. Arrêtez un peu. On voit tout. Hein? On n'est pas des bêtes. Là, on n'est pas des gamines. L'analyse est là. OK? Voilà. Mais, comme je dis, lentement, sûrement et bien. Le plus important, c'est l'assurance et l'estime que tu as au-delà de tout et la stabilité qui reste dans ta vie au-delà de tout. C'est ça qui est important. Parce que quand vous faites tout ce que vous faites là, j'espère qu'à la fin, quand vous fermez la caméra, off caméra, tout baigne. Quand tout baigne, c'est que ça va. Vous comprenez, non? Voilà. Moi, j'ai une mémoire enregistreuse. Je m'entends parler. Quand je suis en train de parler là, je vous dis, il y a une voix. J'ai une petite magnétophone dans mon oreille qui m'entend parler. C'est ça quand je finis en direct. On dit, tu as insulté tel, je dis mensonge. Allez sortir, vous amenez. Il n'y en a pas. Tu as insulté les enfants de tel mensonge, allez sortir. Ce que l'extrait là allait être votre rewind control. Vous allez mettre ça. Dès qu'elle vit pas, vous mettez ça en photo de profil. Que là, voici qui est. Il n'y en a pas. Parce que je m'entends. C'est-à-dire que j'ai un truc ici là qui est rond comme ça, qui enregistre ce que je dis. Vous comprenez? Donc arrêtez vos conneries. On voit tout ce qui se passe. On n'est pas bêtes. Nous ne sommes pas des gamines. Nous sommes des adultes vaccinés et consentantes. Vous comprenez quoi? La soirée de Charles Masseline. Tatana organise que les Lolomaya vont venir. Elle m'appelle! Parce qu'il faut que je vous dise, moi je n'invente pas. Elle m'appelle, je suis encore ici au Canada. Je devais venir. Tu viens à la soirée là? Oui. On essaye de voir pour faire une fête à Lolo et à Déco. Mais ce que je vous dis, c'est exactement ça. C'est pas parce qu'elle est en train de vous raconter même Déco, mais que j'ai volé ou ces 200 quoi. Il ne faut pas que vous preniez quelque chose qui s'est passé, vous inventez, vous tournez, c'est une façon de votre avantage pour me coller une étiquette. Je refuse ça. Même mon âme, même mon subconscient refuse ça. Donc arrêtez vos conneries. Ne collez pas tout et n'importe quoi sur des gens qui vous dépassent. Parce que je vous dépasse là où je suis assise ici. Les noms que je cite là, vous êtes en bas de moi. C'est qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Tatana m'appelle à l'époque là. Elle me dit, comme tu viens à Paris en octobre, on est en train de voir pour faire une surprise à Tata Lolo et à Déco, mais comme c'est leur anniversaire. Oui, Tata Lolo est né, je pense, le 10 octobre. Déco est né, je sais pas où c'est le 11 ou c'est le 15. En tout cas, ils étaient dans la période, l'événement était le 20. Quand elle m'appelle, elle, Tatana, elle oublie comment elle signe le 13, 3 jours après Lolo. Pendant qu'elle me parle, elle me dit, attends, je te bloque, imbécile, angoissé, tu parles à qui? Lent. Bloqué.
Pendant qu'elle me parle, moi je ne suis pas angoissée, hein, je cause. Calmement, tu n'es pas monté dans mon salon. Mon chéri, en bas, il écoute sa télé. Vous voulez, je l'appelle, vous entendez sa voix, il langue. Rebecca Joseph, tu ne me verras plus. Multiplie 600 postes, je n'en ai rien à foutre. Moi, c'est comme ça. Respect. Sinon, vous regardez comme les gens qui regardent derrière la porte. Vous partez. Ne donnez même pas les vues. Ne n'entrez pas pour vous perdre. Je bloque. Ça ne chauffe pas. Et vous restez bloqué longtemps. Voilà. Elle me dit qu'elles sont en train d'organiser une fête. Parce que comme l'événement de Jeanne Massé, il faut qu'on aille à soutenir le bruit autour. Tout le bruit inutile que Facebook peut avoir. C'était derrière l'événement de cette dame. On sera là, on sera là, on sera là. Jusqu'à ce qu'elle devait être à Paris le week-end. Moi, je suis arrivée à Paris, je ne les ai pas appelées. Hein. Je n'ai pas appelé Terre. Je sais pas. On m'a dit que tu l'appelles, je n'ai pas appelé personne. J'ai dit, moi, je viens pour être une event planner. Je ne vais pas pour être des copines avec vous. Là. Non, non, non. Donc, je suis venue, je n'ai appelé personne. Quand j'étais là pour l'événement. Le jour de l'événement, j'étais à la salle, peut-être à 18h ou 19h, avec ma patouche. On a amené les meubles, quoi qu'on a, personne n'a fait tout ce qu'il a fait. Je passe les détails, parce que dans une soirée, là, il y a tellement de choses, vous ne pouvez même pas imaginer. Oui, un rouleau compresseur. Alors, voilà qu'on est à l'événement. Je ne sais même pas si elles vont venir, je ne sais pas sur quelle base elles ont réservé. Bonjour mon bébé Joséphine Legrand. Ça c'est une técassienne hyper gentille, hyper respectueuse. Je ne sais pas comment elle partage la vidéo, hein. C'est très important ce que je vais dire. Parce que vous allez voir comment, quand elle manque d'arguments, quand ce n'est pas mon chéri qu'elle prenne pour raconter tout et n'importe quoi, c'est une étiquette de mendiante, de machin. Comme quand je suis allée à la fête de la Guta, ma CCC. Elles ont dit que j'étais une mendiante, j'étais une parasite. On va trouver coller quelque chose pour que tu aies l'air d'être à la Mabiala. Vous comprenez, non? Voilà. Et mes amitiés, je choisis mes amitiés. Ces gens ne sont pas mes amis. Même si j'arrive à Paris, je ne cours pas trop derrière elles. Je les prends. Quand elles viennent, je les prends. Avec beaucoup de pincettes, hein, par exemple. Beaucoup de pincettes. Parce qu'on est parti pour le même diapason. C'est qui c'est ça. Voilà. Et je suis à l'événement. Tout bien. On passe les détails. On passe les dessous. Voilà. Et voilà des comédies qui se pointent à la porte. Parce que la salle était telle que tu as la porte, tu peux monter les escaliers, aller dans la salle, on a mis la valise, où la styliste a beaucoup de vêtements, où les gens peuvent porter, venir défiler. En passant pour aller, elle voulait même que je défile ce jour, mais j'étais très fatiguée vers la fin, parce que monter, descendre, moi j'étais très fatiguée. Puis le défilé s'est passé très tard, au petit matin, j'étais déjà un peu fatiguée. Peut-être c'était vers 2h, 3h, j'allais dans le défilé. Je vois des comédies à la porte quand je veux sortir, pour aller peut-être, parce que nos valises étaient en haut. Les valises avec tout ce qu'il y a besoin, vêtements, chaussures. Peut-être j'allais changer mes chaussures, je sais même plus ce que j'allais faire. Donc je sors, je vois des comédies. Ah, je les salue, comment ça va? Ça va bien. Et oui, c'est la baignoire. C'est pas le peignoir, c'est la baignoire. C'est un peignoir de Victoria's Secret, ma chérie. Victoria's Secret. Tu veux que je te montre l'étiquette, hein? Voilà, sort vieille chouette. Voilà. Alors, je vais. Je monte pour aller chercher. Pour aller changer mes chaussures ou quelque chose. Ou la toilette. En tout cas, tout était vert là. Je vois Dekome à la porte avec une femme. Parce qu'il a dit que tu as vu le genre de femme. Que... Dekome, on ne peut pas comparer les incomparables. Ton assèchement me rend inquiète. Donc, je vais demander à ta femme que tu m'as montré, tu dis qu'elle est quoi là, de t'aider à t'hydrater. Quand tu seras hydratée, tu auras une peau saine et vivante. Là, on va débattre parce que tu es très asséchée comme personne. D'accord? Donc, laisse-moi te choquer. Tu connais déjà des femmes. Tu as vu le man? Est-ce que Dekome, tu as vu le man? Parce que si tu vois le man, tu peux plus me parler n'importe comment. Parce que je suis avec un monsieur, un morceau d'homme. C'est pas les cavoums. Mon mari, là, des vieilles chouettes rêves. Elle se dit que, merde, c'est qui par concours dit n'avait tant, s'il peut me draguer même. Elles vont être contentes. Elles sont dans son inbox comme ça, ils ne les calculent pas. On lit les messages qu'ensemble. Vous comprenez quoi? Voilà. C'est là que je fais dire à la promotrice, parce qu'il est à la porte, il y avait un portier, il y avait une jeune fille hôtesse, je ne sais pas comment ça se passait pour les entrées. Moi, je gérais la structure logistique de l'événement en tant qu'event planner. C'est que les gens sont assis, est-ce que les gens sont servis à temps, est-ce qu'il y a des crises? Oh, moi, je suis venue depuis, on ne m'a pas servi. Oh, ma table, c'est si j'ai payé, je n'ai pas payé. Chacun dit pour lui. Je salue, j'entre, je vais voir la promotrice, je dis, Dekome est à la porte. Elle dit, ah bon? Je dis oui. Je dis oui, il est à la porte. Donc, elle vient le faire entrer. Est-ce qu'il y a une entrée triomphale? Vous avez entendu comment? Moi, je n'étais pas avec eux pour savoir comment ils ont fait. Lui-même m'a demandé, où sont les autres? Je dis, les autres, les qui? Les tatanas, je ne sais pas. Je ne suis pas venue pour faire des copinages, je veux dire, sur les tables et tout. Parce que l'anniversaire qu'elle a dit qu'elle faisait là, c'était pour Dekome et Lolo. Et quand elle m'a dit, parce qu'ils sont nés octobre, j'ai dit, même moi, c'est 13. Ah, je ne savais pas, ok. Elle a encore refait les coups de fil. Je ne sais pas ce qu'ils se sont entendus, je ne sais pas où ils sont rendus dans cette affaire-là. En tout cas, ça n'a plus eu lieu. Comme c'est des gens qui ne peuvent pas faire, c'est-à-dire, ils vont pas jusqu'au bout de leurs œuvres, voilà. Sauf quand c'est mesquin, comme l'histoire de monsieur Saleté, le roi du mal, qu'ils essayent de hisser au firmament. On est assis, si suffisamment, on va aller avec ça. Je recontinue mes marches. Dès qu'on m'a fait peut-être 15 minutes à la porte, si je ne me trompe pas. À un moment donné, il est entré. À un moment donné, on l'a installé quelque part. Je ne sais pas. Je n'étais plus là. Parce que moi, c'est la cuisine, le salon, le comme ça. Oui, besoin de ceci. Oh, la table, là, les glaçons, le verre. Oh, nous, on n'est pas servi depuis. Oh, tant de choses. Comme les événements se passent.
À un moment donné, je passais vers la table de Dukome. Il m'appelle. Comment ça se passe ici? Où sont les autres? Et je dis non, je fais un petit selfie. J'ai un selfie qui se promenait à un moment là avec lui là. Un petit selfie, c'est tout. Hein, parce que moi, je me filme trop avec les gens. Ça surcharge ma mémoire du téléphone là. Et surtout les gens asséchés là. J'ai pas besoin d'avoir trop de photos avec eux. Vous comprenez? Merci Kamtachou pour les étoiles. Et comme elle me dit qu'il veut boire, il sait pas. Comment ça se passe? Je sais pas. Tu as vu avec Jeanne Marceline? Il dit non, j'ai envie de boire quelque chose. Je dis ok, tu veux quoi? Il regarde, il parle avec sa dame avec qui il est, qui n'est pas capable de l'amener à l'hydratation complète. Je t'ai dit 2 litres d'eau. L'eau, pas la colle, pas l'injection de la poudre sans sécher, ni l'aspiration. De l'eau. Non, hydrate un gros bout. Puis tu viens, on parle. Si vous suivez la terre des vivants, vous n'êtes pas capable de vous faire une peau saine. C'est où que vous allez avoir? Parce que quand on clame cela, dans la terre, les premières choses à pourrir, c'est là. Les mouches commencent d'avoir à chier les sur les places comme ça. Là. D'accord? Alors si tu ne peux pas l'entretenir de ton vivant pour comprendre comment le mal-être est jusqu'à l'intérieur, on n'a pas besoin. Pas besoin. On comprend. On te regarde. Il me demande, il y a quoi? Je dis, il y a, je crois, Shiva. J'ai aperçu, il y avait même les bouteilles de cancan whisky que je ne connaissais pas. Il y avait un truc qui s'appelle Gandou. Il y avait les cancan whisky, maman, les gens que je ne connais pas. Il regarde, il dit, où est la feuille d'alcool? Je dis qu'il n'y avait pas de feuille d'alcool. Parce que dans la logistique, on allait comme ça, la promotrice, je ne sais pas comment c'était organisé. On avait pas une feuille sur la table qui dit que ceci, tel prix. Je vais au bar, je trouve la grande soeur, la petite soeur, la promotrice. Combien coûte le Jack Daniel? Combien coûte le Shiva? Je reviens voir des commentaires. Je dis, le 18 ans, c'est 150. Et le Jack Daniel, je ne sais plus, c'était 120 ou 110 ou 100, je ne sais même plus. Je reviens voir des commentaires, je lui dis ça. Il dit, est-ce qu'il y a encore le Jack Daniel? Je retourne encore au bar. Est-ce qu'il y a le Jack Daniel? On me dit non. Parce que l'alcool était placé. Moi, je ne sais pas comment il faisait, mais moi, quand il me disait, serre telle table, je vais seulement, je prends la table, je serre, je quitte dessus. Serre comme ça, je vais seulement, toujours comme ça. Ou je dis, il y a les gens qui se plaignent là-bas, va un peu les voir, je l'envoie aussi. Parce qu'on est là pour servir les clients. OK? Alors ne me mettez plus dans les choses de base. À partir de maintenant, là, vous allez me chercher dans votre bas niveau, là, vous n'allez pas me voir. Vous s'appelez à voler très haut maintenant. Je suis, c'est-à-dire qu'avec les aigles. D'accord? Dans les petites hirondelles, là, les oisillons, là. Mais tout soit moi si. Restez là-bas en bas. Hydratez-vous, hein, s'il vous plaît. D'accord? Je vais maintenant, il retire 160 euros. Décomé, la sécher. Il me donne 160 euros. Je vais au bar. Je donne au monsieur du bar. Il me donne, parce que pour sortir l'alcool, il fallait que tu donnes au monsieur du bar avant qu'on t'apprête le glaçon, le verre, le whisky. Vous comprenez ce que j'ai dit là? Donc, si tu n'as pas donné tout ça, tu ne peux même pas avoir le verre que quelqu'un va boire. Tu vas avoir, c'était le glaçon, le diluant et puis la bouteille. Tu dois donner un montant. Donc, ce n'est pas comme il a besoin. Il prend et puis il restait, il me donne 10 euros parce que c'était 160, le truc coûtait 150. Je vais redonner, je crois que je vais même servir et je viens donner 10 euros. Après, je vais redonner 10 euros. Je ne me rappelle plus. Je sais seulement que j'ai remis 10 euros à Décom. L'événement se passe, Décom est dans la fête, il a fait un peu des selfies avec beaucoup de gens, il fait ses trucs. Donc on l'a même chassé, on l'a même rasé. Il allait sur une table des abeilles, il voulait un peu faire son clown asséché là. On l'a rasé, ça fait même un tollé sur les réseaux, vous vous souvenez. C'était fini comme ça. Mon petit matin, ma grande soeur d'amour, ma maman chérie, la magne de valeur de Paris, la femme au-dessus de toutes les femmes que je vois souvent, voilà, me dit qu'elle s'en va. Comme elle est vers là où je vais, elle dit ok, je te dépose. Elle me prend. Et elle me dépose. Je pense qu'elle m'a déposé. Je crois pas qu'elle m'a... Oui, elle m'a raccourci le chemin. Et j'ai pris un Uber à partir de là où elle était. C'est ce qu'elle a fait. Donc, elle m'a ramené proche de chez elle. On a commandé un Hitch, ou c'est un Uber. Et je suis rentrée. Elle m'a mis dans un Hitch. Maman veut de valeur. Je vais taire son nom. Alors, je suis rentrée. Le lendemain matin, la promotrice m'a appelée et dit que... M'en veut l'entrée de Décomé. J'ai demandé à Décomé qu'est-ce qu'il a fait de son entrée. Il a dit qu'il t'a remis l'argent. J'ai dit non. Décom ne m'a pas remis l'argent de l'entrée. Décom me buvait un Chivas 18 ans. Et il a payé son Chivas 18 ans. Je n'ai pris aucun argent de l'entrée. Il ne faut pas qu'il te raconte des histoires. Je suis encore à Paris. Hein. C'est le lendemain matin. Parce que le lendemain matin, éventuellement, quand une soirée est finie, la personne fait le plan. Elle essaye de faire ses comptes. Je lui ai dit non, moi, il ne m'a pas remis l'argent d'entrée. Il a pris un Chivas, c'était 150. Il a donné 160, je lui ai remis 10 euros. Je ne suis même pas partie à son 10 euros. Je me suis battue jusqu'à ce que j'ai eu 10 euros. Je suis venue donner à Décom. 10 euros. Elle pouvait faire comme ça, mais suite pour 10 euros. Vous pouvez donner à la caisse, j'oublie 10 euros, du coup, ça met 10 euros. Parce que les gens là, pour qu'ils te descendent dans n'importe quoi, c'est très facile. Je suis une grande dame. Dans ma cave, j'ai tout genre d'alcool qui existe. Je n'ai pas besoin d'aller me saler. Je suis même pas une buveuse. D'aller me saler pour une bouteille de whisky, une bouteille de vin. Oubliez ça. Vous n'allez pas m'avoir dans vos pépettes là. Voilà que je parle avec la promotrice le lendemain matin. Et il y avait d'autres petites choses, vous savez, les finitions, comme on était dans un événement là livré, il y avait des gens, les prestataires, ceci, c'est là, elle gérait toutes ces affaires. Et je lui parle au téléphone plusieurs fois cette journée-là. Il y avait même des couacs et tout. On passe les détails. On passe les détails parce que ce n'est pas nécessaire. On a étouffé les couacs là jusqu'à. Moi, on m'a appelé, on a dit qu'on n'a pas dit que je m'en fous.
Je n'ai pas géré. Parce que quand un événement finit, c'est derrière nous. On a pris, on apprend de ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a fonctionné, on avance. On n'a pas besoin d'exposer le promoteur qui nous a fait déjà un honneur de nous avoir de nous mettre en figure de son événement. C'est de valeur, c'est un honneur. Même s'il y a quoi qui est raté, on couvre. Vous comprenez quoi? Vous comprenez quoi? De fil en aiguille, je vais au Cameroun, à un deuil. La maman, la propriétaire de tous les dossiers fouman de Facebook d'ailleurs, je ne comprends pas, m'appelle une nuit. Je suis au Cameroun. Je vous dis bien, j'étais allée au Cameroun le 16 pour enterrer la maman de Mako, le bien qu'on a enterré le 18. Nous avons atterri le 16. Le 17, c'était la levée de corps, en suivi de la veillée et l'enterrement le 18. Ça, c'était la maman de Mako. Nous sommes en novembre. Je n'ai pas fait de bruit, je n'ai pas fait de touille-bouille. J'étais à ses côtés pour l'accompagner parce que quand quelqu'un avec toi, tu avais lui. Je suis comme ça. C'est pour ça que tant que vous ne m'avez pas, vous perdez. Je n'ai que du bon à donner. Je suis une super belle personne. Mais ne tentez pas avec moi. Surtout vous, les mal élevés de métal, là. Je vais vous traiter ici un à un. Plus jamais on va se mélanger dans quoi que ce soit. Regardez-moi aller. Ça ne sera même pas une erreur. Considérez que c'est terminé. Vous comprenez quoi? Vous comprenez quoi? Voilà. C'est comme ça que je suis au Cameroun. On finit le deuil de ma copine. C'est le grand frère de ma mère, le dernier en vie. C'est ma mère, ils étaient quatre. Le dernier en vie. On décide de lui faire un dernier hommage, de célébrer sa vie. Il avait 95 ans, je pense, 88, quelque chose comme ça. C'était quand même mûr. On dit, voilà, un papa qui s'est éteint, un patriarche. On descend au pays pour lui faire un honneur, un dernier salaka, celui Hoha. On fait la levée de corps à Tombel, parce qu'il est mort à Tombel, il est de Tombel. On fait sa levée de corps à Tombel, on descend, on passe la veillée à Tombel, on dort à l'entrée à Loum, il y avait un hôtel à Loum, on allait dormir là. Le lendemain, on a pris le chauffeur, on a fait le corbillard jusqu'à Bangoulap pour enterrer mon tonton chéri. Vous comprenez quoi? Voilà, beaucoup d'entre vous, là, quand les choses arrivent, vous ne pouvez même pas vous déplacer. Vous êtes coincé là, vous êtes assez constipé comme ça. Vos visages, même les rides sont alignés. Vous êtes là, ou noirci, c'est même dans le pays où la fraîcheur est. Vous êtes noir, ce don coro. Corrosse don, derrière comme les fesses. Je dis que plus jamais ces femmes-là ne vont approcher mes pavés. Je vous dis ça sincèrement. Regardez-moi aller. Si on est dans la cour des grands, je vole à les aigles. Vous comprenez quoi? Je vole très haut. Vous comprenez? Voilà que maintenant, je me rends compte que je suis au deuil. On a fait la levée de papa. On a amené le quoi à Bangoula. La nuit de vendredi à samedi, qui est la nuit où son corps dort, on est monté dormir à l'hôtel Le Majestic, à Bangalté, l'hôtel de mon feu tonton, Snob. Voilà, on allait dormir à l'hôtel Le Majestic. Alors, à côté de Le Majestic, il y a un bar. J'étais là avec mes frères. On a pris une bouteille de whisky pour les autres qui voulaient faire la fête. J'ai fait quelques selfies pour ceux qui me suivent. J'ai posté un peu, genre, pour dire, hey, depuis que je suis au pays, là, c'est un genre. Moi, je vais un peu faire un petit, hein, j'ai vu des petits snaps, ceux qui me suivent dans WhatsApp. Là, je sois les petits, j'ai fait un peu pleurer mon WhatsApp un petit temps parce que c'était un peu trop triste tout ce que je vivais ces deux semaines-là. Associé à ça, pendant que je suis au pays, pour le deuil de ma belle-mère, mon beau-frère, le grand frère de mon chéri décède. C'est comme ça, moi, je rentrais le 29, mais j'ai dû pousser mon retour pour enterrer mon beau-frère. Parce que mon chéri a dit, chérie, comme tu es là-bas, je te donne la responsabilité de le faire. Enfin, ça, c'est une femme d'honneur que je suis. C'est-à-dire, mon mari me fait confiance aveuglement. Il me dit, écoute, chérie, tu accompagnes mon frère dans sa dernière demeure. Ça veut dire que nous sommes un. Il y a des couples que ça n'arrive même pas. Ce n'est pas de ma faute si vous n'êtes pas capable de faire les fondements et les bases de vos vies. Vous bâtissez sur du sable. Moi, j'ai bâti sur du roc, du solide. Ça fait des années que vous vous battez. À voir dans quelle mesure vous allez faire chanceler maman, mon foyer, ma vie. Mais vous ne pouvez pas. Vous êtes légère. Des petites mégères. Vous comprenez? Quand je vous regarde, lors de 1, 0, toutes les unes et les autres, personne ne pourra attraper l'autre. Rien ne me tourne comme ça. Rien. Zéro, macabre. Prenez de la graine dans les gens comme nous qui avons vécu. D'accord? Mon téléphone sonne quand je suis à la fête. J'étais dans les bruits. Je dis, excusez-moi, je suis dans les bruits, je sors. Qui est au téléphone? La propriétaire de tous les dossiers, Ngoba, pas des dossiers penchés et tordus, qui est plein et déformes. Dekome Amougou et Jacques Marcelli, les trois. Alors, moi, attendez, je sors pour mettre hors de la salle, pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Ça va, vous allez bien, je suis au village. Ah bon, tu es au pays. Les autres ne savaient pas, les autres, c'est pas tout le monde qui me suit. Je suis suivi par l'élite. Hein. C'est l'élite qui sait où je suis. Mais les pseudo, genre les pimentiers à 20 euros, là, elles ne connaissent pas où je suis. Je vous dis déjà. D'accord? C'est là que je prends le téléphone. Allô, allô, je suis dans le bruit. Là, là. Oui, la reine met bio. La reine met bio. On est là. Donc, je suis avec des pommes. Hein? On ne va pas. La mamie Kongosa de tout métal. Celle qui veut mélanger les gens dans Gompele. Mpele, mpele, mpele. Ça ne donne pas là.
Je suis avec des coms. On veut savoir, et Jeanne Marceline, des coms est arrivé à la soirée, est-ce qu'il t'a envoyé l'argent de son entrée? Est-ce qu'il t'avait donné? Je dis, hey, il a fait de la soirée. Dans ma tête, d'abord, je dis, il a fait de la soirée s'il revient encore. C'est comment même? Je dis, moi, j'ai vu des coms à la poche, je relate encore. Bonsoir, maman Pépé, envoyez les cœurs pour le diamant bleu, s'il vous plaît. On est 750, j'ai percé jusqu'à déchirer. Partagez la vidéo. Envoyez les cœurs, beaucoup de cœurs pour Pépé. Tu m'as dit, la seule petite femme qui tétanise au moins 5 teams mélangés. Même les teams qui viennent de se créer, elle est sur eux. Bon, Maï, envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs pour Perpétue. Cette femme, je ne savais pas qu'elle était comme ça. Je ne savais pas que c'est comme ça qu'elle allait faire. Envoyez-lui beaucoup de cœurs. Elle mérite. Parce qu'elle est toute petite comme ça. Elle s'est agie en temps et lieu. Je n'ai pas compris comment elle a ça. Je vous dis qu'elle ne connaît pas lire, elle ne connaît pas écrire. Mais en temps et lieu, elle vous bouge. Elle met la toile comme elle va en ébullition. Pendant que vous ne dormez pas, elle avait Thierry et ses deux filles. Elle dort. Vous comprenez quoi? Envoyez les cœurs. S'il vous plaît, beaucoup. Et les étoiles pour ceux qui ont les cartes bleues qui peuvent frotter. Parce que là, celle qui est la numéro 1 de Facebook est là maintenant. Dans le calme et la tranquillité. Vous ne pouvez pas imaginer que c'est comme ça qu'elle devait tenir ces gens comme ça. J'ai dit tenir comme ça jusqu'à ce qu'ils ne sont plus capables. Les gens sont asphyxiés. Une petite femme forte, toute petite comme ça. Je ne savais pas. Donc il y a beaucoup de cœurs, beaucoup d'étoiles envoyées. Ne discutez même pas. Parce que le tour-ci, elle a fait, c'est-à-dire qu'un coup de marteau, pam, pam, pam. Trois coups de marteau. C'est-à-dire, pam, 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 comme ça. Elle est en train de commenter, plante tes cœurs, la reine mère Biopépétue. Coup de marteau, pam, pam, pam. Elle a donné parce que les Ivoiriens chantent là. Je ne pouvais pas imaginer qu'une petite femme, je l'ai vue, hein, le temps qu'on s'est assis là, elle est une petite madame Dieu. Mais elle est sud au Cambrou. C'est-à-dire qu'elle sont chaud, tu as peut-être d'enfants. Elles sont dépêchées, les gens ne dorment plus. Les réunions de ça, ils ont fait toutes sortes de clashs, ressorti toutes les archives, les choses qui ne disaient même plus rien aux stars. Moi là, vous allez chercher là où ma tête a les cornes de bœuf, là où ceci, là ça, là où on m'avait fait le montage, ça me sert encore à quoi? Créer des nouveautés même. Comme Dorcas qui vient sortir aujourd'hui que j'ai un enfant de 10 ans. Bon, ma petite Loulou, tu auras 15 ans, s'il te plaît. Le 8 avril, elle a 15 ans. Le rectifie très vite. Quand vous voulez vous asseoir sur des gens, prenez un peu des renseignements pour un peu dire quelque chose qui allait plausible. Petite mytho épaisse que vous êtes. Envoyez les cœurs pour maman Pépé. Ceux qui ont les étoiles, mettez des étoiles. Il y a un bloc d'étoiles qui est lancé là. Bombardez les bêtises. Vous comprenez avec quoi? Parce que vous avez une petite femme, petite comme ça. C'est que les gens ne dorment pas, c'est grave. Jeanne Marceline me dit au téléphone avec Tata Ngoba Pam, le propriétaire de tout, mamie Congosa. Donc Congosa, elle dort dedans, elle se réveille dedans, elle dort dedans. Même dans le piment, elle est dans le Congosa. Ngoba Pam, tu te lèves, tu dis que tu me clashes 20 minutes, pourquoi? Tu me prends quoi? Après, tu dis que j'ai volé l'argent. C'est comme ça que vous êtes. On m'a accusé que j'ai volé tellement de choses sur Facebook. Je dis, j'ai jamais volé de ma vie. Je ris parce que quand ça vous manque d'arguments, vous prenez tout et n'importe quoi. Prenez des arguments solides. Développez, argumentez quand vous asseyez sur les femmes coriaces comme nous. Vous voulez nous descendre, argumenter. Si vous n'avez pas d'argument, taisez-vous à jamais. Je dis, taisez-vous à jamais si vous n'avez pas d'argument. Vous comprenez avec quoi? Vous comprenez avec quoi? On ne peut pas s'asseoir au téléphone. Oui, je suis avec Décom. Décom dit qu'il a payé. Je dis, je vous répète encore ce qui s'est passé. Je suis à un deuil. Je suis au village, il y a du bruit. Je sors même de la CV loin en route. Comme dans mon vieux, on n'arrache pas le téléphone. C'était même d'un endroit, on arrache. Peut-être on va même arracher au téléphone. Je me mets loin, loin, loin. Et je dis, voici ce qui se passe. Je suis au deuil. Je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Je leur dis ça au téléphone. Et Tatana, j'ai vu, je respecte la scène. J'ai vu Décom à la porte. Je suis allée chercher la promotrice. Je lui ai dit que voici Décom. Et après, elle a fait entrer Décom. Moi, j'étais occupée. Ce n'est pas moi qui fais entrer les gens. Décom m'a dit, où sont les autres? C'était toi. Faisant allusion à toi, mon papa, qui a disparu. Vos bouches, vous êtes où? Sortez vos bouches. On va. Les gens sans parole, sans scrupules. Des femmes qui ne sont pas dignes de confiance. On amène les gens comme ça. Leader. Vous voulez faire honneur à votre leader et votre leader annexe, la séchée de Décom. Mais c'est leur anniversaire. Vous n'êtes même pas présente pour leur faire honneur. Vous n'avez même pas honte. Et vous dites que vous êtes une team. Team de quoi? De merde. Vous n'en valez pas la peine. Respectez vos statuts respectifs. Moi, je suis une femme de parole. C'est dit quelque chose que je fais. Je ne suis pas comme vous. Bande de mythos que vous êtes, de la pire espèce. Je vous explique au téléphone, mon papa. Et Jeanne Marceline est Décomé. Décomé dit que je n'ai pas payé l'entrée. J'ai commandé une bouteille de Chivas et on m'a servi ma bouteille de Chivas avec mon ami et ceci et cela. Jeanne Marceline dit que ton entrée, tu as donné à qui Décomé? Il dit, tu es venu me prendre à la porte. Je dis, oui, tu l'as pris à la porte, tu l'as fait entrer. Moi, je n'ai rien encaissé. Mais le chivas qu'il a pris, je suis allé au bar. Parce que là-bas, la façon que c'était fait, il y avait un bar avec les glaçons, avec les saucisses, les champagnes, avec les... Quand tu arrives, on arrange tout ce que tu veux avec ce que tu veux et on va porter sur la table. Il n'y a pas que tu viens entrer, tu prends ce banc, tu sors comme ça. Non. Tu as la bouteille, les verres, les glaçons, les ceci, tu vas poser sur la table. On arrange tout une fois. Décom m'a donné 160 euros. Donc j'entends que j'ai volé 200. Je ne comprends pas. Hein. Vous êtes malade.
Il m'a donné 100, sans même jamais donné 200 parce qu'il fallait remettre 10 euros parce que la bouteille était 150. Et quand j'étais allée à la cuisine demander le prix de la bouteille, il y avait la grande sœur de la promotrice et la promotrice. La promotrice m'a dit que le Shiva c'est 120. Ça a dit non, c'est 150. Le prix, et est-ce que je savais même, j'ai commencé même à rigoler. Quand j'ai dit maintenant, il n'y avait pas une feuille d'alcool sur les tables, ça je peux vous dire oui. Et c'est comme ça que j'ai pris le 150 de Dekome. Au bar, quand tu donnes au gars dans la cuisine, on te donne la bouteille de Chivas et on te donne la monnaie. 10 euros, je suis allée donner à Dekome. Terminé. J'ai dit que terminé. Et Dekome a assis. Si vous regardez ses photos, il avait une bouteille de Chivas sur sa table. S'il a encore les photos de cet événement, ce petit asséché de leader, de team, de pasteur, mon œil, la prière de l'enfer. Le pasteur qui va faire la prière, que tout le monde va finir en enfer là. Parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous n'avez même pas honte? Cachez-vous un peu. Quand tu vas être hydraté assez, tu vas venir me parler. Dekome. Tu es très déshydraté. Il faut boire 2 litres d'eau. Moi, je bois 3,5. En tant que vieille mère, que je suis votre plus vieille grande soeur, nous deux, nous recommandons 2. Mais 1,5, commence déjà avec 1,5 avant d'injecter de fumée sans sécher. Vous êtes malade? Vous fumez quoi? Hein? Ah, je vais finir. Vous avez des questions, je vais vous répondre à vos questions. C'est là que je retiens ta question une à je reviens là-dessus tout à l'heure. Tu dis comment j'ai fait pour être. Je vais te donner très rapidement ce qui s'est passé parce que je me trouve dans un merdier, un bourbier qui n'a pas idée que même ma famille et ma belle-famille se demandent même comment notre belle-sœur, suite Oléa, puisse se retrouver dans les pets comme ça, notre sœur. J'ai dit que vous savez, c'est dans l'exercice de mes fonctions. Je peux faire un petit résumé de 2 minutes là-dessus. Ça va très, très vite, de fil en aiguille. Je suis une personne droite sur mes bottes. Vous comprenez avec quoi? Dès qu'on a bu son affaire, il est parti. Donc, c'est la deuxième fois que je me réexplique sur l'histoire. Et puis, c'est là que je dis, au finish, je ne peux pas prendre d'appel ici, oh, la paix, je ne peux pas prendre d'appel. Je dis, au finish, je pense que, est-ce qu'il ne faut pas que je prenne l'autre téléphone? Non, je suis avec le téléphone. Je peux, si quelqu'un va appeler, il va appeler seulement dans le direct. Et je ne vois même pas l'icône. Est-ce qu'il y a l'icône d'appeler dans le direct? Attendez un peu. Est-ce qu'il y a l'icône d'appeler dans le direct? Oui, il y a l'icône. Si quelqu'un appelle pour entrer dans le direct, je peux le prendre. Il y a l'icône. Attends un peu. Oui, il y a l'icône d'appeler dans le direct. Si tu veux appeler, c'est là. Le petit machin là qui dit que... Attends, c'est là. Voilà. Tu vas appeler dans le direct, tu peux appeler si tu veux. Voilà. Dekome, la séchée, le pasteur de l'enfer, ose. C'est-à-dire qu'au téléphone, on s'explique et dit bien à madame et à Tatana, je n'ai pas payé d'entrée, mais mon alcool, j'ai payé ma bouteille. Effectivement, j'ai donné au gars du bar, il a remboursé 10 euros, il vient te donner. Point. Je n'ai pas pris de billet d'entrée. J'entends maintenant que j'ai vu comme l'entrée paraît que c'était 100 euros par personne. Moi, je ne connais pas. Alors, si c'était 100 euros, on fait comment de l'alcool? Pourquoi la personne a l'alcool sur sa table? Si c'était 100 euros, il ne m'a jamais donné 200 euros. Mais j'entends qu'on dit que j'ai voulu 200 euros, que j'ai pris. Mais non, vous êtes malade ou quoi? Hein? Vous êtes malade ou quoi? Hein? Vous êtes malade, vous fumez quoi? Arrêtez un peu vos conneries de coller tout et n'importe quoi sur des gens, surtout les bien gens comme les moi-ci. Arrêtez un peu vos conneries. Ça, je ne tolère pas ça. Arrêtez un peu vos conneries. C'est comme ça que la dame, je lui explique au Cameroun, je lui dis que présentement, je suis déjà presque minuit, il était minuit et quelques. Je dis qu'il faut que je dorme parce que demain, j'ai une messe à 9h avant comment on dit là même? Avant qu'on appelle mon oncle. Je dis femme terriblement mariée. Oui, assise chez elle, maman. Tu as vu, non? Le peignoir de Victoria Secret. Terriblement. La reine mère bio, je t'aime jusqu'à. J'ai dit qu'elle. L'arbre me l'est. Oui. Mais tu me nies un peu ton français. Ouais, c'est trop fort. Moi, non, maman, je ne parle pas. Ton français, tête. Je vois quand même maman Pépé quand tu dis qu'elle ne connaît pas parler. Elle ne connaît pas parler. La fille parle. Doucement, pardon, ma reine mère bio. Je t'aime jusqu'à. Tu ne connais pas. Terriblement. Merci, mon passe-moi ce français, me lave. La reine mère bio, apprenez souvent à vous asseoir avec les gens qui vous conviennent. Quand vous mélangez dans la boue, c'est comme ça qu'on vous traîne dans la boue. Mais on va. Les gens viennent s'asseoir pour dire que tu te caches dans un angle. Tu connais ce que c'est qu'une chaise. Tu parles quoi de langue? Les gens veulent qu'on expose tout. Que tu pars te cacher, tu pars te coincer sur un angle, tu pars faire quoi. Mais ils sont sérieux là. C'est pour faire du Cameroun. Diminue moi le français parce que moi maintenant je ne comprends pas. Pardon, s'il te plaît. C'est moi André pour te dire que diminue le français. Ralentis moi ce français. Tête, maman, je ne vais pas parler le niveau. Tu vois, je suis moi tête, ma chérie. Merci de ton intervention. Terriblement mariée, je t'adore, la reine mère. Je t'envoie des gros cœurs, maman. Je t'aime jusqu'à depuis les États-Unis. Toi, une femme qui meurt pour toi. Je vais ramper pour toi. Merci, maman. Merci, ma chérie. Bonne journée, maman. Merci. Je t'aime beaucoup. Merci, merci. Ouais, les appels, je ne peux pas prendre. Je ne peux pas prendre ton appel là. Il faut prendre l'appel dans le
comment on appelle, dans le direct, même si tu couvres la caméra, on ne te voit pas. Je ne peux pas prendre ton appel dehors. Parce que malheureusement, j'ai fait le direct sur le téléphone que je pouvais prendre les appels individuels, mais je ne peux pas, ma chérie. S'il te plaît, tu peux entrer ici et parler. Tu sais qu'il n'y a rien d'injure, non? On n'a pas besoin d'insulter, imbécile, c'est. Non, 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 je ne prends pas ça. Je suis quand même une fille qui est suivie jusqu'à dans les présidences de plusieurs pays, voyons. Oui, La allô? reine des pions, Oui, ma ma chérie. mère d'amour, c'est Oui, ta ma fille chérie. Nicole Kedja. Hé, qui est? L'enfant, c'est. La Fille de maman, tu sais. femme de Nicole Kedja, non, ma mère. Ouais, mais ni bon, 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 vous Elle est dit qu'elle te soutient face au cadavre qui est au Cameroun, elle te soutient au A. Donc, elle est toi, maman. Tu es belle jusqu'à. Non, pas encore. Non, pas la sécurité qui opère là, maman. Elle a manqué la gêne, coup d'œil d'étoile. Elle dit qu'elle a construit. Elle dit que c'est une dortie. Oui. Voilà, elle dit quoi, débloque-moi, maman, débloque-moi. Tête, tu, je vais sortir sur LOA. Ok, ma fille. Eh Dieu. Je sais comment mes enfants sont, il y a beaucoup, j'ai compris. Là, mais maman, c'est bon, moi, je dis quoi que tu as dans la reine bio. Je ne sais pas, il faut que j'apprenne à débloquer dans ma vie. Je ne te manque pas de tout débloquer. Je ne veux pas vous débloquer là. Oh, je vais apprendre. Tu savais tout ça. Voilà, la reine bio. La reine bio, pardonne-moi si tu avais manqué le respect, la reine bio. Je sais, maman, je sais. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Sandou, qui est Sandou, hein? Et je suis Sandou, non? Et tu vois, par exemple. Et tu dérangeais ta bombe. Je suis la Léonine de Garça, Janine. Je suis Sandou et tu me déranges. Ok, je te donne le nom étoile montante. Tu ne sais pas que étoile montante veut dire que tu vas arriver, Emma. Ah, non, Sandou. Bio. Je t'appelle étoile montante. Étoile montante veut dire que tu vas arriver. Et toi, voilà qui est arrivé, non? Si tu ne vois pas que c'est étoile montante, c'est les paroles prophétiques. Oh, vraiment, quand tu es incomplice dans un réseau, hein, c'est compliqué. Je n'ai pas compris, mais quand j'étais à Mokéry, non, la reine bio. La passe. Ouais, Seigneur, il n'y a pas de souci, ma chérie. Moi, tu sais, moi, j'ai rien dans mon cœur, hein, franchement. Il n'y a pas de souci. Bien compris, la reine bio. Je te laisse continuer ton live, ma mère. Oui, ok, ma fille. Bisous, bisous. Hein. Bisous, ma mère, bisous. Donc, je ne savais pas que c'était Nicole. L'enfant, m'a tellement lavé. J'ai rien, je pouvais mourir. On dit, pourquoi tu la remets? Je dis qu'elle peut me faire rire. Vous voulez que je fasse comment? Quand on m'insulte, je prends, je remets. Dès qu'on m'a lavé, sauté, qu'elle est terriblement mal, j'ai encore mis ça même ce matin. Est-ce que j'ai un problème pour Dorcas? C'est parce qu'elle est bloquée. Si elle faisait dans son mamiton que je vois souvent là, qu'elle poursuit sa soeur, qu'elle a pris la mamie de nourriture, ou c'est Sidonie. Sidonie a fait avec la mamie de coquille. Sidonie poursuit l'autre marché. Mon bon frère, je demandais, c'est le théâtre que Dorcas veut faire, je ne sais pas. Maman, qu'on me mette ma inspiration. Moi, je connais beaucoup d'humoristes. Je ne peux pas non, forme inspiration ou que quoi, théâtre. Là. Donc, bon, le fumble, bon, bon, forme before, bon, tu fous là. Parce que quand tu vois le fût du gars qui vend le fumble là, le pousse-pousse là, le gars là, tu te rappelles que tu prenais une fourchette, tu voulais choisir le plus gros, le fumble. Donc, la tête ouverte par ici. Donc, tu es bon, genre, regardez une fille avec une tête ronde, la crinière du lion. Le lion, sa tête est ronde, droite sur ses bottes. Le lion a seulement sa barbe qui monte ici. C'est tout. Et il a le long menton comme moi. Oui. Regardez si on rase le lion, son menton, parce que, oh, imposant people. Ça, c'est moi. Vous comprenez, non? Ça, c'est moi, ce que vous voyez là. Tu comprends, non? Donc, ouais, vraiment, je ne comprends pas comment ma âme sœur, elle se lève sur moi. Allô? Allô, 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 bonsoir. Bonsoir, la reine, mère bio. Comment ça va? Bonsoir, notre reine mère bio. Oui. Comment tu vas? Je vais très bien, ma chérie. Nous sommes très fiers. Nous sommes les enfants de Maman Pépé. Nous sommes avec toi. Merci, merci les Técassiens, merci. Là où notre maman et nous sommes là, on te soutient. Voilà. C'est tout. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffera plus jamais. On sait que ça va faire mal. Nous sommes avec la reine Nebio. Merci ça beaucoup. Ça ne va jamais chauffer. Merci. Et la reine, tu connais que le diamant bleu, elle est barantée, non? Oui, je te dis qu'elle a fait. Est-ce que tu sais que pour que maman Pépé me parle, c'est qui m'a fait rire aux éclats, parce que les gens pensent que la paix s'est arrangée, c'est qu'elle est venue à dire, c'est vraiment comme ça. Donc, je te promets. Donc, j'étais, en fait, on était déjà là. Elle était dans la salle, j'étais dans la salle, chacun faisait ses choses, on ne s'est pas trouvé proche. Quand je revenais en filmant, parce que quelqu'un a dit dehors, quand j'étais dehors, que montre-nous les produits. Donc, je partais continuer la partie que j'étais arrêtée, c'était les produits cosmétiques. Elle a seulement, quand j'ai approché, elle était debout, elle n'avait pas son téléphone parce qu'il y avait une personne qui filmait pour elle. Alors, elle a fait seulement, c'est vraiment, je l'ai regardé. Alors, donc mon patron a dit, j'ai commencé à rire parce que j'ai dit que, mais n'y a tout le monde, dans mon cœur, j'ai dit, que quoi? Ah oui, c'est vraiment, donc embrasse-moi, ça veut dire ma mère. Après, tu dis, voilà, et je veux te demander pardon, et moi aussi j'ai demandé pardon parce que je n'y allais pas de même mode, j'avais aussi les noms, les morceaux, les machins, les tueries, les saisies. La reine est bio, je voulais passer un message à tous ceux qui ont les têtes percées là. Tous ceux qui
qui ont les têtes percées, qui ne veulent pas comprendre la vérité. Mm-hmm. On ne garde pas ton direct. Et tu vas revenir sur ma pute. Tu vas revenir sur la pute de ma pala. La reine est bio. Mm-hmm. Les gens n'ont jamais compris qu'est-ce qu'est le diamant bleu. Mm-hmm. Le diamant bleu, c'est une petite femme très forte. Mm-hmm. Je suis cette femme depuis les années et je suis fière de la soutenir. Pourquoi? Parce que j'ai compris que c'est une femme charismatique. Mm-hmm. Elle a de la poigne. Mm-hmm. Elle a de la poigne. C'est une femme. Oui. Oui. Maintenant, on doit valoriser notre star n'importe où elle se trouve. Voilà. Tant que je la valorise, je sors. Je suis mm-hmm. fière d'elle. Je suis mm-hmm. fière de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Amen. C'est une étoile. Oui, mm-hmm. c'est une vraie femme. Quand tu vois, tu sais que voilà la femme qui est là. Mm-hmm. Voilà, le diamant blanc, le diamant bleu est là. Donc, mm-hmm. c'est pour te dire que le diamant bleu, elle est bamilée, qu'elle est bantée. Le diamant bleu nous a toujours dit, c'est pour ça que je l'ai captivée. Mm-hmm. Elle est vive. Je suis bamilée depuis, je suis bamilée de père et de mère. Mm-hmm. Mais je suis aimée une Yaoundé, mm-hmm. qui est le diamant bleu. Elle n'est pas Yaoundé, elle est Bakou. On peut les appeler comme ça. Tu sais que les gens du centre, c'est comme ça. Les gens du centre, c'est comme ça. On va les dire, on va dire quoi? C'est pareil comme les Yaoundé. Mmh. Voilà. Je suis venue m'adapter avec elle. Franchement, la reine m'est bien. Mmh. On peut faire les erreurs partout. Cette femme, elle n'est pas tribaliste. Pour que les gens essayent d'enlever le titre de tribaliste sur elle, elle n'est pas. Elle n'est pas. Yeah. C'est une femme qui accepte tout le monde. Mm-hmm. Pourquoi être tribaliste alors que tu as tous les tribus dans ta team? Moi je suis bamilée, non. Pourquoi je n'ai pas suivi que dans les tribalistes? Même si je suis fâchée en ce moment, je ne savais pas qu'elle était bamilée. Elle me lavait jusqu'à comment ça s'appelle, c'est Ndolo quoi. Elle était même bamilée, mais elle était là. En fait, elle était bamilée parce qu'elle veut le soutien des bamilées. Quelle est ça? Elle veut le soutien des fausses bamilées. Quelle est là? Dans lesquelles bamilées? Elle peut dire bonjour à bamilée. Elle peut parler quoi en bamilée? Elle est le tchoup tchoup. Elle connaît parler quoi? Elle ne connaît rien parler. Elle passe faire foutre. Non, le moulin, c'est parce qu'elle veut la compassion des fausses barantées qui a sur la toile là. Les barantées sans valeur. Les barantées sans valeur, c'est ça là-bas. Non, le moulin, Manaou, c'est une frélatée. On ne parle même pas d'elle ici là. Mm-hmm. Donc, c'était pour dire que notre diamant bleu, mm-hmm. le diamant bleu là, elle n'est pas tribaliste. Mm-hmm. C'est du mensonge. C'est du mensonge, c'est de cogner les têtes des gens. C'est ce que les gens là veulent. Mm-hmm. Était tribaliste, elle n'a jamais assumé. Si elle était tribaliste, pourquoi elle a fait les problèmes avec Tata Aline Zomombeng? Mm-hmm. Elle a fait les problèmes avec Tata Aline par rapport à quoi? Pourquoi les gens ne reviennent pas à la Genèse? Pourquoi on voit maintenant, parce qu'ils sont en train d'attiser un feu, qu'ils veulent gâter, détruire les mm-hmm. amis, les amis des gens? Pourquoi quand elle a eu le problème avec Tata Aline, quand Tata Aline a dit que les bamlékés sont montés, elle a dit que moi, je n'associe pas mon image avec des gens qui insultent mes enfants. Mm-hmm. J'ai des enfants bamlékés. Mais pourquoi quand on parle, les gens, quand elle a parlé de ça, pourquoi on n'a pas mm-hmm. ressorti les remimba? Pourquoi on n'a pas sorti les remèdes par rapport à ça? Mm-hmm. Pourquoi on veut la traiter? Pourquoi on veut la traiter de tribaliste? Elle n'est pas tribaliste. Mm-hmm. Moi, je suis bamilée, je l'avoue. Je suis bangantée. 100%. Je l'assume. Ma mère est bazouée. Oui. Mon père est tonga. J'assume sur les deux tribus-là. Oui. Mm-hmm. Donc, je ne peux pas accepter qu'on vienne salir une femme qui a toujours valorisé les bamilées, qui porte les... Qui est dans les réunions avec des bamilékés, qui s'assied avec ses meilleurs amis, ce sont les bamilékés. Mmh. Les femmes qui l'ont soutenu en Europe, ce sont les bamilékés. Mais pourquoi vous la déstabiliser? Pourquoi vous la détruire sa vie? Mmh. Nous, on ne va plus accepter la reine des bio. J'entre dans un direct, si on tente de parler du diamant bleu, j'entre. Je te détruis aussi. C'est comme ça. Œil pour œil, dent pour dent. Tout le monde respecte son leader. Comme mmh. je dis depuis, s'ils respectent leur leader, on respecte aussi notre leader. Celui qui ne va pas respecter notre leader, on va lui faire sa propre. Bonne soirée, la reine Mebio. Merci beaucoup, ma chérie. Bonjour à celle qui vient de monter. Comment tu vas? Fais-moi des... Bonsoir, ça, la reine Mebio. Comment tu vas, ma chérie? Ça va très bien. Mmh. Tu es très jolie ce soir, comme d'habitude. Ah oui. Vraiment, merci. Les gens qui disent que reine Mebio a, comment dirais-je, le menton. Ben, mmh. est-ce que vous avez vu quand le fumbo se retourne d'un côté? Le menton là, vraiment, qu'on attribue à un bio, s'il vous plaît, allez retarder. Quand le fumbo se retourne d'un côté, j'ai l'impression qu'il y a le cran qui est passé au niveau de son visage. Ouais, son visage est tellement mal formé que je suis dépassée. Je suis dépassée. Et je voudrais dire quelque chose, Reine Mebio, mm-hmm. sans hypocrisie, tu es dans la logique des choses. Mm-hmm. Laissons les petites guéguerres qu'il y a eu au départ, qu'il y a toujours eu sur la toile. Mm-hmm. Tu es toujours dans la
dans la logique des choses. Tu ne viens pas supporter quelqu'un pour faire le aide-moi à détester. Jamais. Jamais. C'était ça. C'était l'occasion pour toi de sauter et d'aller dans le camp des vampires, là. Non, tu l'as pas fait. Tu as regardé la réalité et tu as dit non. Ce n'est pas pour supporter Perpé. Diamant Bleu n'est pas ta copine, elle n'est pas ton amie. Vous vous êtes pardonné parce que vous vous êtes fait du mal. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens n'arrivent pas à discerner cela. Ils veulent seulement que tout le monde soit contre Diamant Bleu. Mais quand tout le monde sera contre Diamant Bleu, elle pense que c'est là qu'elle va sortir de la toile. C'est qui est super. Diamant Bleu ne sortira jamais de la toile parce qu'on l'a chassée. Jamais. Elle est là sur la toile comme tout le monde. Comme tu es là sur la toile, Reine Mère. Tu as subi, on a vu ici. Tu as subi. Oui. C'est pas comme si toi tu étais aussi blanche comme neige, mais tu as beaucoup subi. Pour tout son avis, mais tu as tenu. Tu as tenu. C'est la même chose. Diamant Bleu va aussi subir. Elle va tenir et elle va rester, on s'en fout. Sur la toile, personne ne voit le harcèlement qui est sur Diamant Bleu. Personne. Voilà le harcèlement, tout le monde. Mais quand elle va sortir une seule fois, parce qu'elle fait la bombe, quand elle sort une fois, ce sont les pleurs partout. Les gens sont en train de faire leurs trucs, faire les directs de gauche à droite pour parler à Diamant Bleu. Quand elle va sortir, on ne veut pas les pleurs. Pas de pleurs. Ah, et les gens qui sont là, Ok, ma chérie. Les gens d'en face, là, il n'y a personne en face, Reine Mère Bio. Là où tu es là, regarde les gens. Tu réponds à qui? En face, là, il n'y a personne. Regarde-les. Les villes misérables. Regarde comment tu es belle, proposée, femme terrible. Terriblement marié. Malgré le titre que tu as, j'ai moi des endroits où je suis entrée, où je suis sûre que beaucoup là ne pourront jamais entrer. Tu vois la danse du Kunga qu'on fait là? Oui. Qu'on danse, c'est en couvert là. Oui, c'est ça. Maléba fait, tu as dansé dedans. Waouh! La danse des notables qu'on tape Maléba a dansé ça. Ah, donc tu as un takunga. Aïe. Danse des notables, la chèvre avec l'huile rouge, là, j'aime manger ça. Donc quand les gens viennent dire qu'ils sont bagantés, je suis baganté dans mon sang. Dans l'âme. C'est dedans. Mon frère qu'on appelle Makabo. Oui, Makabo, C'est mon frère. Je suis allé dans des endroits qu'on dit aujourd'hui que c'est peut-être ça qui m'a causé un certain problème que j'ai aujourd'hui. Parce que je suis allée dans des endroits qu'il ne fallait pas aller. Mon frère Makabo et moi, on allait jouer le Ben Sikin. On quittait Yaoundé, on partait ailleurs. Je partais dans les fonds du voyage de village de l'Ouest. Ils jouaient, moi je jouais le maracas. On a même joué ça même ici en France. Quelqu'un ne peut pas me dire que je suis tribaliste. Qu'on cherche une autre excuse, mais ça là. Et je crie, je tape la main sur la table. Si aujourd'hui, je suis ce que je suis. Si je roule dans une voiture, c'est les filles bagantées. Et ça, je le dis, je suis fière. Les bagantées ont un grand cœur. Si j'ai acheté un terrain un jour au Cameroun, c'est les bagantées. Dans ta famille, même, c'est baganté, en fait. C'est baganté. C'est parce que je suis arrivée en France, j'ai perdu la langue. Je parlais mieux baganté que le bakoko. Oui. C'est ça que donc, je leur ai dit que... Je ne pourrais jamais être tribaliste. Tu peux faire un lapsus, non? Dire que la fille Bamleke là. Ou la fille graphiste, comme on dit souvent graphiste. À Yaoundé, nous on dit graphiste. À Douala, ils disent... à Douala, ils ont une autre façon d'appeler. Nous, à Yaoundé, on dit graphiste. Oui. Voilà. Ce n'est pas toujours une insulte. Oui. J'ai dansé la danse des notables. Moi. En tout cas, moi j'ai jamais dansé. Reine Mère Bio, je voulais parler au diamant bleu. Je voulais parler au diamant bleu et ce que Dieu fait bon.
en tant qu'ancien détracteur farouche, je valide le nom Diamant Bleu. Le nom est lourd. C'est affamant. Bébé, il avait les profils avec les orages. Ah oui, à l'époque. Oui. Avant, c'était un ancien antique des orages. On doit se parler de les orages partout. Il a dit que les orages. Ouais, c'est dit. Dès qu'il voit seulement les orages quelque part, je passe. Il dit que j'ai. Pardon, il peut partir là-bas. Dès qu'il voit seulement les orages, il dit que. Je quitte. Mais, ce jour-ci, je partage, je me le dirai. Tu sais que moi, je suis souvent comme une tueuse. Non, le diamant bleu, tu n'es pas tueur. J'ai déclaré solennellement hier que je valide le nom. J'ai trop dû, mais le travail que tu as donné sur la toile, c'est juste. J'ai avoué. Pas en 4 jours là. Ça c'est bon. Non, non, ça te coupe. Moi, je ne sais pas qui t'a appris, hein, parce que tu ne connais pas qui tu ne connais pas écrit. Mais la reine Mébio, pardon, quand tu parles souvent, quand tu parles de moi, pardon, parle un peu en baganté, ça me tue. Même quand on ne se parlait pas, quand j'entends comment tu laves en baganté, j'entends vraiment avec le bon accent. C'était bon à moi. Mais la fille là. Tu me laves en baganté. C'est-à-dire. Même me fâcher, mais mes papas me fâchent, ils m'ont comme je prends. Et on reste comme ça. J'ai ma mère qui est à Paris là-bas. Là. Oui. Elle-même, elle dit que quand tu parles à Banganté, elle adore. Je l'ai appelée hier, je lui ai dit que ma mère, envoie-moi quelque chose, non? Tes enfants n'ont rien. Elle me dit, ma fille, ne me demande pas 50 euros et je t'envoie plus que ça. Elle m'a fait le dépôt. Ouais. Ouais. Et on a donc fait un peu de Congo ça. Elle me dit que, quand la reine Mébio prend en Banganté, elle peut le finir seulement. Mais comme il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Oui, c'est ça. D'autres, bon, en même temps, elle peut rien. Mais ceux qui comprennent là, ça c'est vraiment l'Ouest. Le problème, c'est que Pépé, les gens n'ont pas compris pourquoi j'ai pris le Banganté. C'est pas que je veux rendre le Banganté populaire, c'est que sur Facebook, il y a des mots que si tu utilises. On va signaler ta page. Oui, mais c'est aussi bien parfois. Il faut valoriser. Il faut valoriser. En Banganté, ça résonne mieux quand. Non, c'est bien. Il faut valoriser. Non, c'est bien. Non, il faut valoriser. J'ai dit, moi, la danse des notables. Il y a même des Banganté. Il y a même les Bamlékés là qui ne savent pas ce qu'il veut dire, la danse des notables. Maléba danse ça. Quand mon frère Makabo, on ne parle. La danse des notables, on ne parle pas dedans. On tape seulement. Oui. On tape. Ça a un rythme. Oui. Le conga, ça a une façon. Ça a un rythme. Oui. Il peut commencer. Oui. Comme ça seulement. Oui. C'est une danse qui parle. Oui. Moi, wow. Je suis entré dans la maison sacrée fermée là-dedans. Maman, tu as le cœur. Oh, que nous, on a peur de ça. Voilà. On a planté le bananier là. Mm-hmm. Ça a poussé. Ma caba a coupé une partie, m'a donné, j'ai mangé. Ouais, toi. Donc, quand j'entends les gens parler, il y a des gens qui ne connaissent pas la tradition. Moi, je connais la tradition mieux que. Oui, je connais la tradition mieux. Je suis dans la réunion des nobles Banganté. Mm-hmm. Donc, wow. Une réunion que je suis la seule ou quoi. Je suis la seule ou quoi. Waouh. Oui. Je suis fier. Wow. Donc, cette réunion-là, c'est que quoi? Cette réunion-là, c'est que quoi? Si on veut faire les œuvres, on ne fait pas à aider. Hein. Ce n'est que là-bas. Hein. Oui. Uniquement là-bas, on ne part pas ailleurs. Oui. Mais j'ai accepté, j'ai pris l'engagement, je suis dedans. Waouh. La réunion des Bashingu. Je suis une adhérente des Bashingu. Ok. Voilà. Je suis une adhérente des Bashingu. Et les Bashingu, chez eux, c'est sacré, ce n'est pas le genre que tu vas aller. On dit que. Et on doit faire des œuvres humanitaires, il faut aller ailleurs. La condition, c'est que tu entres. Mais sache que toutes les œuvres qu'on veut faire, c'est à Bashingu. J'ai accepté les conditions. Oui. Wow. Et je suis la seule quoi dedans. Wow. Voilà. Donc, quand les gens ne connaissent pas... Ça dit que tu as vraiment un esprit de vivre ensemble.
de vivre oui. ensemble, de partage, de, you know, ça fait que l'étiquette même qu'on veut te coller, tu, oui, tu non, peux... Non, ça peut pas coller, ça peut pas, ça peut pas. Ce n'est pas moi-même qui va venir témoigner, c'est ma famille qui va venir témoigner, ce n'est pas moi-même. C'est ça. Ceux qui vont venir témoigner. Mm-hmm. Donc, j'assume être une Bangante. Je suis née à Madagascar, j'ai grandi à Madagascar. C'est un quartier d'abord des Bangantes. Oui, c'est le secteur. Mm-hmm. Voilà. Donc, c'est là-bas que j'ai appris les tontines. Mm-hmm. Les qui connaissaient les tontines, les premières personnes à faire les tontines, c'est les gens de l'Ouest. Wow. C'est là-bas que j'apprends les tontines avant d'arriver ici. Mm-hmm. Et aujourd'hui, si je suis une femme, que je tape la main, je marche fort, c'est les filles Bangantes, je ne peux pas parler. Je peux gueuler une fille Bangantes, mais je ne peux pas aller. C'est-à-dire, je ne peux pas vraiment gueuler une fille Bangantes au point mm-hmm. où vraiment. Non. C'est la honte pour moi. Elles vont me rappeler à l'ordre. Elles vont me dire, hey, tu es en train de faire quoi là? Je me calme vite. Donc, c'est ce que je tenais à monter dans ton direct pour dire. Merci, voilà. Merci de ton direct. Je dis encore merci. Oui. Merci. Et puis, plein de cœur pour toi. Merci. Bisous, ma yam sœur. Ouais, bisous, ma yam sœur. Tu me vois, ma yam sœur. Bisous, maman, bisous. Waouh. Et donc, maman Pépé est bagante dans l'âme. Mon nom est Shengobapa, ça fait quoi? Vous ne savez pas que mon nom était Shengobapa il y a 3 ans, il y a 4 ans. Shengobapa voulait défendre Flore par rapport au terrain où elle vend le piment. Parce que Flore a les dossiers des pimentières, pas à peu près. Beaucoup de pimentières sont obligées de lui prêter à des gens, sinon elle balance. Flore avait une vidéo, une enregistrement de Nadège où elle prenait un client avec le prix de ça. Ça là fait que Nadège était obligée de venir me clasher au nom de Flore. Elles ont des ententes un peu comme ça par rapport à parapotage. Les clashs de Nadège ne peuvent rien me faire. Les clashs de Ngobapa en ce moment ne peuvent rien me faire. Rien. Elle est lors de un zéro, Makabou. Je ne vais pas entrer dans ce jeu avec elle. Je la dépasse hors des assises, hors des ordonnées. Debout, je suis assise ici. Il faut arrêter un peu à un moment donné. Vous exagérez dans la manipulation. Comme je vous ai expliqué pour l'affaire de notre promotrice, merci de l'intervention, Maman Pépé. Je salue Nicole, qui a toutes les personnes qui ont intervenu. Ça fait du bien, ça casse un peu le direct, mais on revient à nos moutons. Voilà. Ils sont. Or, maintenant qu'elle a volé 200, elle a volé. Je demande, pourquoi vous aimez toujours, quand vous dites le montant à voler, moi si je vais être une voleuse, je veux voler les millions, milliards, je veux dire, c'est ma mutine, je ne vais pas aller voler 200 euros. Je ne suis pas à 200 euros près. Si tu mets le solde de mon compte bancaire, tu vas dire, je ne suis pas à 200 euros près. Donc, 200 euros, ce n'est pas l'argent pour votre gouvernement. Vous comprenez quoi? Et je ne cours pas, je ne suis pas une, comment je peux dire, une, en tout cas, comparativement à ce que vous pensez, que je suis que l'argent a tout pris les ceci, les cela. Non. Non. Vous comprenez, non? Non, pas du tout. Les femmes ne dorment plus. Les femmes ont mélangé quelque chose en vis-à-vis sur Meta et c'est venu d'être avalé. Elles sont toutes perdues, les unes les autres. Personne ne sait plus où mettre la tête. Même leur leader, Lolo, qui n'avait rien à voir avec ça, elles ont réussi à l'embourbiner dedans. Lolo même l'a perdu là comme ça, un genre. Parce qu'elles ne font que tourner. Finalement, ça va m'avaler Lolo qui n'a rien à voir dedans. Vous comprenez ce que j'ai dit là? J'ai dit rien à voir. Vous comprenez? Non. C'est-à-dire que quand tout ça a commencé, la fille de Tueté, du niveau de la Côte d'Ivoire, en train d'enjoy son Abidjan, propre. Vous comprenez? Non. Propre. Mais aujourd'hui, ils ont tourné elle-même déjà dans l'embarras. On dirait qu'elle va finalement se retrouver du jour au lendemain en train de répondre ou de clasher ou de je ne sais même pas trop bien quoi. Mais la réplique est là. Parce que moi, je suis prête. Pas tout, mais elle est prête. Et pas tout, mais elle ne discute pas, ça vole avec vos âmes. Toutes les familles avec un soir cacaille. Nous avions même dans votre chien. Mais directement, je connais même en première classe, elle s'envole avec. Donc arrangez-vous quand vous venez sur eux, sur elle. Vous comprenez, non? Les lavages, les comme ci, les comme ça. Oh là là, arrêtez même d'écrire ça, je risque de vous bloquer parce que c'est du pipeau. C'est du pipeau, du. Ça dit que c'est rien de concret. Ce qui en a sur le Terminator, c'est le FOMO. Parce que vous savez que quand on voyait le pouce-pouce de le FOMO passer, comme je vous ai dit, il y avait les beignets. Je crois qu'à l'époque, c'était 25 ou 50. Quand tu priais, tu prends la fouchette, tu appuies sur le beignet, tu veux chop. Ok? Ouais, est-ce que ça va prendre? J'espère que ça va prendre. Tu appuies sur le beignet, tu veux chop. Mais tu choisis le beignet. Mon tuyau n'est mon tuyau n'est pas mon tuyau mieux, mon sombre l'argent. Ça, c'est mal au fond. Dès que tu pries, tu finis, j'atomise propre et ça ne chauffe pas. Merci, ma patouche. Tu vas les traiter, j'ai confiance. Elle s'envole avec vos âmes en première classe d'avion parce qu'elle ne discute avec personne. Bonjour, comment tu vas? Bienvenue dans le direct. Oui, bonjour. Oui. Tu me voyais? Oui, bien sûr, tu peux parler, on t'écoute. Vous m'entendez? On t'entend très bien, merci.
C'est quelle partie de la caméra vous regardez, le dehors ou les dedans? Le dehors, ma photo. Le dehors, la cour. Ouais. Ouais, c'est mieux, yeah, je vais pas... Ouais, c'est ça. Comme d'hab, je voulais juste... Ça bouge un peu, hein. On dirait que tu t'éloignes de la maison dont le wifi quitte pour que le LTE... Ah. Donc, c'est en train de... Non, je suis en train de marcher, là. Ah, d'accord, ok. Je voulais... Ouais, mm-hmm. Je suis en train de marcher. Non, je voulais juste dire, voilà, bonsoir, bonjour à tous. Oui. Tu es toute élégante, comme d'habitude, voilà, quoi. Merci. Faut valoriser la mère bio, la femme bio, la femme naturelle, la femme... qui ne se bourre pas avec le chimique, quoi. Ouais, exactement. Donc, moi, j'adore ça. Ouais, c'est Marius en passant. Mais je sais que c'est toi. Voyons, non, je connais. Le gars téméraire, quand tu décides, tu prends ton bout. Donc, non, je pense que les gens doivent prendre exemple sur toi. Ouais. Tu es une femme téméraire. Tu n'aimes pas... Tu n'aimes pas... Enfin, c'est pas question de, comme je dis toujours, quoi, c'est pas question de aide-moi à détester, quoi. Mm-hmm. C'est une question de logique. Exactement. C'est une question de ce qui est juste, quoi. Mélanie, parce que, à un moment dans la vie, voilà, quoi, la toile était monopolisée par un certain groupe de personnes, quoi, que j'appelle. Qui manipulait les gens, les opinions et tout, hein. Voilà, que j'appelle, j'aime affectueusement appeler le cartel. Ce qui veut dire que voilà, quand c'est l'un de vos amis qui fait des conneries et tout, voilà quoi, ça ne, c'est chup-chup, personne n'en parle, il faut se protéger, tu vois un peu. Donc, c'est rafraîchissant d'avoir... les gens comme toi, les partout et le reste, pour essayer un peu d'apporter un certain équilibre. Exactement. Je vois un peu, un certain équilibre. Sinon, l'avantage, je devais prendre le dessus, en fait. Voilà, justement. Donc, c'était juste, je suis dans mes marches, comme d'hab. Quand tu prends du kilo, il faut un peu baisser, quoi. Voilà, c'était juste pour te dire un coucou à toi et aussi à tous tes followers. Merci beaucoup. Et Diamant. Et tu sais, les gens qui se sont par rapport à Diamant Bleu, voilà quoi. Ouais. Tu sais, moi, ça m'amuse tout le temps quand les gens disent que elle ne sait ni lire ni écrire. Et pourtant, ils sont. Oui. Pourtant, ils sont tombés dans son piège, quoi. Donc, ça veut dire que son téléphone a tellement les voix en soc-soc que voilà. C'est ça, que... ils sont tombés dans le piège, et là, c'est versé son coton. Et donc, ça, le problème avec elle, c'est quoi? C'est là où j'ai compris qu'il ne faut pas... C'est-à-dire qu'on a besoin d'un plus petit que soi. Ne simplifiez pas les gens. La maman disait toujours que « you litre cross ». Ça veut dire que tes 4 litres qui étaient à tête, fais attention. Ne vois pas quelqu'un. Ne simplifie pas. Quand Walkman Yang Chou, ne simplifie pas quelqu'un qui a les cheveux sur sa tête. Et c'était toujours en train de dire « Voilà maintenant qu'elle détient toute la boîte noire. C'est-à-dire que tout ce qui concerne l'échange du plus grand, du roi du mal de Meta. Et aujourd'hui, je me suis dit, quelqu'un qui voulait avoir la palme d'or de Monsieur Lapin pour juger et faire les tribunaux avec les juges et tout ce que ça comportait, est devenu maintenant l'homme le plus sale et le plus méchant et machiavélique de Meta, avec toutes les manigances et les messes basses autour. C'est dommage. À quel âge? Et un monsieur qu'on ne voit jamais ses yeux. Moi, voici. Moi, je suis avec les yeux cernés. Moi, je mets mes yeux. Moi, voici, poché, cerné, tout ce que vous voulez là. Rien à foutre. Parce qu'à l'âge qu'on a, si on n'aime pas qui on est, on ne vit pas. On n'est plus sur terre. Donc, tu dois aimer avec tout ce qui vient avec toi à l'âge-ci. Si encore à l'âge-ci, tu es encore sur les bistouris en train d'essayer de voir si ceci et cela, tu as un gros problème. Ça veut dire que c'est un problème. Tu dois consulter. Un psychologue va t'aider parce que c'est un peu compliqué. Oui, bien sûr, et ça me en tant qu'homme, ça me fait vraiment de la peine, hein. Ça me fait vraiment de la peine de voir dans quel engrenage en fait il s'est mis, parce que voilà, tu sais, nous les hommes, on a une différence en fait de façon différente de gérer les choses, quoi. Tu vois, mais quand tu t'entoures en fait des femmes, mais malheureusement, leur émotion en fait prend le dessus en fait sur leur sang-froid, sur la logique, tu vois. Ouais. Moi personnellement, moi je suis pas fan de mes sens, mais je suis vraiment, comment dirais-je en fait, moi ça me fait de la peine, ça me fait vraiment de la peine de voir que voilà, il est dans un tel engrenage qui ne peut pas, cœurs, maman Pépé. Qu'il ne peut plus s'en sortir, parce que dès le début,
la balle était dans son camp. Nous tous l'avons vu. Il avait tous les leviers en fait pour arrêter cette histoire. Tu vois un peu. Surtout que sa sœur et le reste lui ont laissé assez du temps, quoi. Tu vois. Mais malheureusement, comme il y a des gens en fait qui aiment voir le sang. Et oui, et malheureusement, comme il y a des gens qui aiment boire du sang. Patouchou est là. Donc il faut que tu chutes pour que Patouchou, les gens qui aiment boire le son. Oui, je vais descendre. Ok, bonsoir. Les gens qui aiment boire le son, chute. Comme certains Camerounais aiment voir le sang, comme certains Camerounais n'aiment pas voir les gens en joie, aiment toujours qui est, comme on dit chez nous, quoi, le poula-poula. Mm-hmm. Tu vois un peu. Mm-hmm. Et voilà, il s'est laissé entraîner dans cette histoire. Mm-hmm. Donc, je pense qu'il n'est jamais trop tard, mais j'espère qu'il va se ressaisir, qu'il arrête. Parce qu'à son âge, en réalité, il devait déjà penser à ce qu'il va laisser à sa postérité, quoi. Mm-hmm. Tu vois un peu, passer plus de temps avec sa petite famille et consorts. Donc, mm-hmm. c'était un peu ça. D'accord, merci beaucoup. Ok, moi, je vais descendre. D'accord. Oui, salut partout. J'espère que tu vas bien, bonsoir. Salut, bonsoir. Toi aussi, t'es pas facile, mais bon. Je ne veux pas être facile. On nous a fait comprendre. Ok, à bientôt. Oui. On nous a dit que Facebook n'est pas le voix, bébé, donc. Hein, ma Patouchou? Oui, bonsoir. On m'entend. On t'entend très bien. Oui. Bonsoir à toute la crème de la crème, mm-hmm. et les sympathisants. Oui, tout à fait. J'espère que vous allez bien. Très bien, ma chérie. Comme un charme. Bon. Ce qui est bizarre, c'est que je vois que le diamant bleu... Je vois que le diamant bleu est dans ton direct. Maman, j'ai percé. Tu as percé. Tu es star jusqu'à ce que je vois que ton direct a été rediffusé partout. Yeah. Oui, on a rediffusé ton direct partout là-bas. Donc, on a rediffusé partout. Là, c'est star, hein? Oui. Non, je suis star en vrai. Bah, ça. Adam, on peut être star comme ça jusqu'à rediffuser ton direct. Maman. Donc, tu es en direct. Tu es en direct et puis on lance le direct ailleurs pour rediffuser ton direct. Ouais, pour me répondre au fur et à mesure. Je donne le travail. Bon, je voulais te dire, je profite de l'occasion du fait que le diamant bleu soit là. Oui. Pour te dire un truc. Ici, sur cette toile-ci, il y a une chose que je discute avec le diamant bleu. C'est le titre de la plus haineuse de la toile. C'est vrai. Quand le diamant bleu sort, on dit que c'est elle qui est la plus haineuse. Tellement est sec. Quand moi je sors, on dit que je suis la plus haineuse de la toile, que je tape sec. Voilà. Ce qui est bizarre, c'est que les gens ne voient pas là où ils nous clashent. Non. Et le nombre de fois qu'ils le font et les vues ignorées qu'on aligne. Je ne fais que aligner des vues ignorées. Je ne fais que aligner des vues ignorées. Je ne fais que annoncer que toi, voilà qui me clash, je te fais le vue ignorée. Je bloque, je fais les vues ignorées. Mais les gens ne font que me clasher. Petit direct, le petit direct que j'ai fait hier là. Petit direct en douceur. Tu as vu comment j'étais douce hier, non? Très douce. J'étais douce hier. Maman, les pleurs de ça. Les gens commençaient à pleurer. L'autre pleure là-bas. L'autre pleure là-bas. L'autre pleure là-bas. Vous pleurez quoi? Tous les pleurs de la fille là qui a dit que... Mais Patou, tu aurais pu voir ce que Sylvie Tenia a dit. Tu aurais pu laisser. Donc, plus la somme de ce qu'ils t'ont fait. Donc, tu vois tout ça, tu laisses toujours. Parce que tu les pleurs de ça. Maman, les pleurs de ça. Ça a pleuré. Je croyais que c'était interdit de pleurer. Hein. Non. Donc, vous pleurez. Yeah. Ah. Donc, le petit direct l'a fait mal. Un seul direct que j'ai fait. Maman, tu as laissé qui là-bas? Tu as atomisé tout. Ils ont dit que tu as même pris la maman. Un direct que j'ai fait. Maman, tu t'envoles avec la main. Parce que tu pars avec la main. Un tour, Kalala. Bon, je venais annoncer ici à la crème des crèmes. La crème des crèmes. Je voulais vous faire comprendre que apparemment, il y a maman Pépé met en commentaire que c'est elle la plus haineuse, que c'est elle qui a... Ah non, parfois on dit que c'est moi. Parfois, quand elle atomise, on dit que c'est elle. Quand j'atomise, on dit que c'est moi. Finalement, c'est qui alors? Je ne sais pas, sûrement c'est moi. On dit que c'est moi la plus haineuse. Oui. Je dis que, comme j'ai constaté que la bêtise insiste, et que les deux sorcières là qui envoie le, comment on l'appelle celui-là, le chien galeux là. Le chien galeux qui est morgué là. Voilà. Les deux sorcières, elles ont continué encore à me clasher aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression qu'elles ne veulent pas du bien à ce chien galeux.
Tu vois, non, le morbide, elle ne lui veut pas du bien. Parce que je pense que la dose que j'ai laissée hier était très douce. C'était doux. Donc, ce soir, dès que tu finis, je vais appuyer sur déranger. C'est-à-dire que je vais leur montrer le vrai niveau. C'est-à-dire que demain, tu vas voir qu'ils ne vont plus pleurer. Ils vont acheter les cartons de mouchoirs. Ce soir, dès que tu finis, je dis que ces deux femmes-là, la Ténière Kaka, là, et puis l'autre, c'est Mato Ponzi, c'est quoi là. Mulan Bête, Mulan Diablo. Bête Kaka, plus Mato Ponzi, plus Ténière Kaka, là, plus leur chien galeux. Ce soir, ils vont confirmer que ce que je leur ai dit hier, c'était le jouet. Comme ils ont insisté, ils ont dit qu'ils veulent qu'on aille plus en profondeur. On va aller en profondeur. Oui. Dès que tu finis là, je vais les atomiser et on va voir là où on va aller. C'est tout. Tu t'envoles avec leur âme. Hein. Première classe. Très loin. Tu vas déposer ça. Loin là. Parce que tu vas me tuer. Il y a les gens qui demandent des déblocages là. C'est qui? C'est Joséphine. La personne s'appelle comment? Joséphine Le Grand. Ah, Joséphine Le Grand. Oui, parce que tu dis qu'elle s'envole avec les âmes. Il y a Joséphine Le Grand, je vois Sandrine, où c'est? Ouais. La Chapoua. Oui, la Chaka. Chicha. La Chicha Mekaka, la Chicha Klo. Voilà. Oh, les noms. Il y a Joséphine Le Grand. Ok, je vais débloquer. Dépose-les à Mandiki. Oh, très loin. Oh, très loin. Oh, très loin. Ben Medio, je viens du pays, hein. Je n'ai pas fait 10 jours au pays pour rien. Hein. J'ai dit que action, réaction. Mbombo Pipito dit qu'on doit aussi le débloquer. Ah bah. Non, je n'ai pas Gilles Dubois. Ce profil-là. Gilles Dubois. Il y a des profils qui sont bloqués. Il y a des profils qui sont bloqués qu'on ne voit pas. Ouais, Yako. Ça veut dire que même Facebook vous a éradiqué du mur de celles qui se sont envolées. De ma page. Facebook a éradiqué les murs-là. Du mur de celles qui se sont envolées avec les âmes. Je vais voir si je retrouve certains profils. Je vais voir si je retrouve certains. D'accord. Ok. On se tient au courant alors. D'accord. Tout à l'heure. Patou, tu me l'es très propre. Propre. Voilà. Donc, merci Patou. Donc, j'ai beaucoup de messages qui montrent, qui disent que Ngoba pas dit que j'ai volé ou c'est 200. Donc, vous m'évaluez au niveau de 200 euros. Donc, dans tout l'événement, qui a beaucoup, je me suis venu seulement voler 200. Je vous rappelle déjà que la promotrice n'avait pas fini de payer mon billet. Hein. Quand j'étais à Paris, elle a même avancé 100 sur les 300 qui restaient. Donc, c'est pour vous dire que j'accepte même de m'accommoder aux choses qui se passent. Et je n'ai pas fait de bruit là-dessus jusqu'à aujourd'hui. L'événement s'est passé depuis le 20 octobre, votre gouverne. Maintenant, vous voulez me coller un vol de 200 pour faire comme si. Vous m'avez même appelé jusqu'au village pour ça. Et vous essayez de faire des directs pour me dire comment va tenir le boulot. Vous avez commencé à faire les messes basses. Quand vous me voyez là, je suis à 200$ près. Quand vous voulez pousser les gens à vous montrer ce qu'ils n'ont pas envie de vous montrer. Sur Facebook, on donne ce qu'on a envie. Et on bloque ce qu'on n'a pas envie. Vous pensez ce que vous voulez. Vous mettez l'arôme magique, vous mettez le piment, c'est ça. Nous, on accepte que c'est ça. Vous comprenez, non? J'ai dit, vous mettez l'arôme magique, vous mettez le piment, c'est ça. Ce que vous dites là, non. Plus l'arôme magique, plus le piment, c'est ça. Mais une chose est sûre, mon papa, tu t'es toujours plaint de mon dollage. J'ai le dollage, ma chérie. J'ai combattu la plus grande tigre de toi, que tu n'as même pas été capable de combattre. Quand tu savais qu'elle avait ton audio pour déposer que tu as pris un client à 40 euros, tu pouvais mourir. Tu voulais seulement qu'il n'y ait pas de trace que tu es mamie pépé. Moi, là, je m'en fous de vous toutes mélanger. Je ne sais pas si quand j'ai dit toute la c'était majuscule, je n'ai jamais personne. Je m'en fous de vous toutes, on n'avait pas rendez-vous. Tu comprends avec quoi? Hein? Tu comprends avec quoi? Vous êtes malade? Parce que vous allez tout prendre les choses pour salir, pour dénaturer, après ça va être le doigt. Rien ne... Depuis que je parle de mon papa, je n'ai pas parlé des parties basses. Je n'ai pas parlé de ça. Parce que ce n'est pas nécessaire. Son métier, c'est l'industrie du body, mais je ne m'arrête même pas dessus. Vous comprenez? Donc, moi, je trouve que quand ça tourne au vinaigre, vous êtes, on dit que tel a fait ceci, tel a fait cela. Aujourd'hui, en journée, on m'a dit que tu m'as classé. Tu m'as clashé en entrant chez Coco et dit que, oh, Coco, tu dis que tu prends Coco comme un trophée pour hisser. Je trouve que c'est très bas. C'est très bas. L'autre fois, j'avais un ressenti, tu as dit que c'est parce qu'elle a... Non, non, donc, quand c'est un business sur Facebook, il faut comprendre ça. Elle, c'est la monétisation. Vous voyez, moi, je veux dire que ma belle, ça a fui avec la mamie de coquille. Parce que ça peut faire comme ça, ça fait aussi le buzz. Elle cherche tout ce qui est buzz. Donc, si elle sait qu'elle va faire une directe, qui va faire tac, elle va le faire pour le buzz. Elle est en mode. C'est eux qui ont les 3000, 2000, ils se battent pour avoir 2000 ou 3000 sur leur page pour monétiser. Moi, ils me rediffusent pour que je n'ai pas de vues et pour que je n'ai pas. Mais mon chèque les dépasse tous. Je ne sais pas comment vous expliquer.
C'est quand vous qu'elle me finit de nous payer. Eux et leurs leaders mélangés. Les pages et monétisons, c'est pas lui pour gong ou pas quoi. On bouffe tous ces 30% canard. Donc, d'abord, c'est que la bêtise et l'idiotie a fait que ils sont partis monétiser les pages par des gens qui les ont pris des pourcentages. Alors, on peut finir. Vous comprenez, non? C'est tout ça qui m'a déçu de jamais bien la regarder, en tout cas. Oui, mais elle est comme ça. Donc, elle va dans tous les sens. Bah, putain, tu sais. Oui, c'est pas grave, elle peut me laver. Madeleine, elle peut me laver, ça ne dérange pas. Je connais Madeleine, c'est un fan de Maman Pépé qui est en Espagne. Je lui parlais sur mon téléphone tout le temps. Si tu peux prononcer le nom de cette dame, il faut bien l'ignorer. Attends, c'est qui ça même? Ouais, les inventions là sont bons, moi jusqu'à. Allô? La reine Bio, bonsoir. Oui. Bonsoir, bonsoir. J'appelle pour faire juste un coup de gueule, franchement. Oui. Parce que depuis que je vous suis, il y a d'abord la prestance que vous nous montrez. Merci. Il y a l'élégance et le nom, la reine mère bio. Oui. Ça sonne très fort. Merci. Je suis vraiment désolé parce que même quand vous discutez avec des gens, on apprend. Vous avez votre manière. Mais les femmes comme les Dorcas, là, elles viennent faire quoi sur les réseaux sociaux? Apprenez-nous quelque chose. Que veut dire influenceur? Déjà, il y a une manière de se présenter au public. Aujourd'hui, je vois, comme si bon, elle vend du macabre, ça c'est sûr. Mais il ne faut pas qu'elle confonde le côté macabre et le côté réseaux sociaux. Ouais, tout à fait. Elle vient dans toutes les saletés du monde. Mais je ne sais pas. Présentez-vous bien. C'est la bouillabaisse. C'est n'importe quoi. Ouais. Tout le monde peut prendre sa caméra aujourd'hui, faire des trucs. Mais non, on ne se présente pas devant plus comme ça. Le jour qu'elle sort, je ne sais pas d'où, avec des chapeaux à la con, je ne comprends pas comment elle peut être aussi ça. Dorcas, c'est vraiment la saleté, je ne sais même pas pour Dorcas, mais des pas. Mais c'est quoi sa ligne éditoriale? Je ne comprends pas. Non, elle s'en fout. Mais nous, on s'en fout pas parce que si, voilà, nous, on paye nos métas. C'est pas pour venir suivre Dorcas. Hein. Il y a un truc de Dorcas que je vais un peu raconter aux internautes avec Lolo. Comme tu me parles là, tu me rappelles un truc que je ne voulais pas parler, mais je vais parler. Il y a eu un problème qui est arrivé ici. Excuse-moi, hein, j'en profite que tu es là pour parler. Merci, madame, bien sûr, je vous écoute. Pour vous dire jusqu'où Dorcas est tellement intéressée et tellement méchante et opportuniste. Tout ce qu'il dit sur toi, c'est ce qu'ils sont. Hein. Il faut le noter déjà. À la recherche des vues, opportuniste, méchante. Quand tu me vois dans les avions à travers les pays, elles peuvent mourir. Parce que, premièrement, elle quitte Washington, elle atterrit la correspondance. Comme elle prend, soit elle, comment dire, Éthiopie, elle est au Maroc. Même à Paris, je ne l'ai jamais vu à Roissy, Charles de Gaulle. Là. Et elle descend au pays, qu'elle descend à Douala, après Douala, elle est à Yaoundé, après Yaoundé, elle est au village. Le village de sa mère où elle a fait le deuil d'un carabot perdu. Là, nous tous, nous avons vu le deuil. Elle, 1 million pour faire le deuil, elle est en direct. Elle dit que oh, je vais faire comment, il fallait que je sois aux États-Unis. Elle pensait qu'elle va prendre le billet d'avion pour retourner aux États-Unis, collecter les offres que les gens vont donner pour le truc du deuil et revenir. Une villageoise par excellence. Quand je dis par excellence, ça dit avec brio. C'est pas la blague. Qu'est-ce qui se passe avec les Lolomania et tout? Je vais dire, oh. Ah non, vous écoutez, madame Bio. Paraît-il que Dorcas se lève un matin, la canne arrive. OK? Dorcas dit. Je cite. Qu'elle va là, la canne. Avec Thérèse, il y a une certaine Thérèse qui est dans la team de Dorcas, qui est sa colonelle ou sa caporal. La Thérèse qui est citée Patouchou l'a récupérée chez la femme un soir. Là. Cette Thérèse, Dorcas appelle Lolo et dit que nous voulons aller à la canne. Je dis ça. Je sais que comme je les connais faire des messes, elles vont aller s'unir ou trouver quelque chose pour dire que tu manques. C'est la vérité. Quand elles vont dormir la nuit, chacune dans son lit, elles vont se souvenir de ça. Dorcas appelle Lolo pour dire à Lolo qu'il faut qu'on aille à la canne. Lolo dit à Dorcas que je n'ai pas l'argent. Vous voyez, un temps quand je voulais répondre, j'ai dit que Dorcas, je vais venir sur ta part avec Lolo. Après, j'ai encore laissé. Ouais, non. Celle qui m'a dit, comment elle m'a énervée. Elle dit qu'elle dépose ça ici un tour. Vous comprenez, non? Dorcas dit à Lolo, Lolo dit qu'elle n'a pas l'argent. Elle ne peut pas aller à la canne, c'est trop parce qu'il faut faire le visa. Son papa Fondjane, puis là, elle ne peut pas payer. Donc, il faut qu'elle paye toutes ces choses qu'elle a payées. Elle n'a pas l'argent, elle ne peut pas aller à la canne. Lolo refuse à Dorcas. Entre temps, les Lolomania, quand je dis les Lolomania, vron, celle-là, ils sont une liste là. S'entendent pour dire qu'elle envoie notre star à la canne, là, la télé, film et tout. Moi, j'étais dans la télé de la canne, là. Quand Lolo faisait, moi, mes partages. Pendant ce temps, la télé, Lolo TV à la canne. Parce que j'étais sympathisante. J'étais sympathisante. Quand Lolo, maintenant, arrive à la canne, elle ouvre le rideau, elle est à la canne. Dorcas peut mourir. Elle lance les appels. Elle a parlé à certaines personnes de la télé. Elle est venue me mentir. Elle dit que je suis maintenant une place. Je ne défends plus personne sur Meta. Pourquoi? Parce que Lolo est allé à la canne. Certains gens de la team de Lolo qui causent avec elle lui disent que, ouais, ne dis pas ça. Elle ne savait pas, c'est une surprise. Dorcas dit que tu mens. Elle a quand même demandé le visa. Donc, elle a déposé son passeport. Elle a attendu le visa. Donc, elle savait qu'elle partait. Elle aurait pu me dire avec Thérèse, ma machin, parce qu'elle voulait que quand on ouvre le rideau, Dorcas, Thérèse et Lolo soient à la canne. Vous voyez un peu. Elle dit que Lolo aurait pu lui dire comment Lolo a pris le visa et parti et tout. Elle ne peut plus jamais défendre. Lolo l'a fait. Ça, c'est avant. Tout ça se passe avant que le problème de Ngoba parle.
avant qu'on ne voit pas nous trouver. Avec donc, tout ça se passe avec Dorcas, ça le macabre de ça. Elle est fâchée. Elle est fâchée. Donc, c'est comme ça se passe, comme la canne avait lieu, c'était quoi, janvier jusqu'à février, là. Donc, dans les embrouillamini de tout ça, si vous voyez, c'est direct de début janvier, là. C'était elle, avait le macabre. Elle a parlé ça même en direct que je ne suis plus dans aucune chose, je ne soutiens plus personne. Elle a un peu pris un temps, elle est même sortie, là. Je suis une place, Dorcas, une place, à cause que Lolo s'est retrouvé à la canne sans elle et Thérèse, parce qu'elle voulait être à côté de Lolo et devenir star en vrai. Parce que ça, c'était un moyen un peu étouffé. Donc, c'est comme ça que les gens de la tire comme ça que non, on ne dit pas ça. Bon, non, on l'a supplié. Mais ça, elle a fait comme une semaine, elle ne gérait pas. Elle a rebondi maintenant avec le problème de Ngoba Pas, parce qu'on ne va pas être réussi. Parce qu'il y a une façon d'amener les gens et à convaincre les gens qui sont malléables et manipulables. Mais les gens durs comme moi, moi ne me manipule pas. Pour me prendre et me mettre sur quelque chose, je vais dire non. Voilà les gens qui disent la vérité, parce qu'il y a des gens qui connaissent cette histoire. Elle s'est fâchée. Elle a dit que Lolo ne peut jamais, c'est la trahison. Comment je lui dis, elle ne me dit pas. La fille dit que pardon, comment elle voyait déjà qu'elle perd l'allié de short, celle qui ouvre la caméra et insulte les gens. Du coup, elle a dit à la fille, ok. La fille dit que non, Lolo est parti comme ça, c'était la surprise. Elle dit que tais-toi, quelle surprise, elle a pris le visa. La fille dit oui, quelque part, tu as raison. T'as mort. Voilà l'histoire. Donc quand c'est comme ça, je vous ai dit depuis, en quête de star, mania, pour elle, c'est devenir jusqu'au fille, maman, devenir star. Donc elle est prête à tout. S'il y a un truc, elle se connecte, elle parle, c'est comme ça. Mais ben non, ça n'a pas de sens, c'est ridicule à la limite. Lolo a reçu un cadeau de ses fans, mais pour Dorcas, Lolo devait lui informer. Oh, Lolo, la plante petit vélo, ça se trouve, parce qu'elle n'a pas été informée pour quelqu'un qui avait un projet avant ou après. Donc Lolo a fait ça en catimini. Quand l'écran s'est ouvert, Dorcas allait mourir. Elle a parlé de ça, j'aime les audios et les enregistrements de ça. Tellement parler à l'enregistrement, les gens de la team de Lolo m'ont appelé comme ça pour parler que merde, donc Dorcas c'est sadique. Non, non. Non, c'est une femme, c'est sadique. Vous parlez de quoi? Non. Alors, une femme comme ça, vous voulez qu'on dise quoi? Même au visage, la reine, elle n'est pas fraîche. Hein. Même au visage. On sent la haine. Tu connais les beignets? Mais on connaît. Non. C'est la bosse partout. La bosse partout. Tu cherches le beignet. C'est quand la bosse est plus grosse que tu vois que le beignet, c'est peut-être chez Annie. Sinon, tu sais même pas c'est quelle forme que tu vois. Juste comme ça, a pu se gonfler dans l'huile de ce côté. Peut-être c'est lui. C'est ça. Quand tu la vois, elle est comme ça. Et puis, c'est moi qui vais venir parler. Peut-être pas attendre que c'est ci, que c'est là. Maman. Je vous dis que l'affaire, la Dorcas n'a pas digéré. Elle a fait au moins 4 jours où elle était énervée. Elle a parlé ça partout, les enregistrements pour me trouver beau maille. Elle vient parler de quoi? Donc, c'est une personne qui est dans une team pour une opportunité bien précise. Et ça fait que quand ça ne fait pas son affaire, et sa Thérèse qui se promène comme le mauvais esprit, elle marche partout, elle est en train de... Oui, elles sont en train de mélanger tout là-bas. Donc, ce qui fait que maintenant, elle est revenue seulement à la charge. Quand Tatana l'a sollicité pour ce truc, elle a dit qu'en bougeant, ça n'a pas encore bougé ma page. Elle a bougé. Parce que c'est comme ça qu'elle fonctionne. Si elle sait que ça va bouger la page, elle bouge le truc et on voit là où on va. C'est tout. C'est des opportunistes. Il n'y a personne qui est là-bas pour le bien-être de qui que ce soit. Lolo a dit dans le direct de Nadège il y a quelques jours qu'elle a perdu 2 alliés. 2 vrais alliés. C'est la vérité. Il faut le dire. Ne cachez pas ça aux gens. Elle a dit parce qu'elle sait. Je dis bien, elle sait qu'elle a perdu 2 alliés de choc. Partout même, c'était une alliée de poing de la Russie. Moi, je suis sympathisante de poing. Ils ont perdu. À cause de quoi? À cause de aide-moi à détester. Quand on n'était pas en train de combattre le compresseur pour autant. Moi, compresseur, elle appelait comme ça pour sa logique. Elle manquait de logique. Elle clashait partout. Elle ne clash pas Flore. Elle clashait. Je dis, pourquoi tu ne clashes pas Flore aussi? Voilà là où j'ai commencé. Vous parlez de quoi? Donc, Dorcas, c'est une femme aigrie et frustrée. Certes, en mariage, je ne sais pas comment, sur quelle base c'est défini, mais qui veut devenir humoriste avec des sketchs à la con. Un coin, elle a pris la mamie de coquille. Elle est partie où? Toujours dans les coins. Quand tu vas le quartier, là, tu dis, là, vous n'êtes pas chassé. Ils ont créé les maisons, les cabanes, les cabinets. La mamie, t'es ici, je vais manger. J'ai dit, waouh. Non, il n'y a pas de style, Franchement, je suis désolé. Si c'est comme ça, tout le monde va se retrouver sur les réseaux sociaux après. Non, il n'y a pas de style, pas de lignes. Pas de lignes. J'ai un niveau que je ne peux pas atteindre. J'ai dit, j'ai une personnalité, j'ai un honneur. La chance que j'ai, c'est que j'ai un mari. Ce n'est pas les choses qu'on parle. Mon mari n'aime pas les réseaux, il n'aime pas, c'est de nature. Un homme calme. Mais j'ai la grâce, j'ai eu la grâce d'avoir cet homme. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, je suis plus au mariage avec toutes les choses que ces filles m'ont appelées de part et d'autre. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, je comprends moi, très bien. Moi, je pense que des femmes, tu me demandes qu'est-ce qu'elles font sur la toile. Zoukamba va arranger que chacun dans sa maison peut utiliser pour vendre, pour découvrir, pour partager, pour ceci, pour cela. Mais il y a des villageoises par excellence qui sont venues prendre ça et faire ce qui n'en vaut pas la peine. C'est-à-dire que c'est ce que nous déployons à la Rame Bio. C'est ce que nous déployons vraiment. Mais c'est ça, on va vivre avec. On a 2 options. Soit on se désabonne, soit quand on les voit passer, on clique, on passe, soit on fait vue ignorée. Mais elles veulent que vu et ignoré reste tout le temps et que nous, quand elles nous insultent, on reste tranquille. Donc, pas toi à décider de s'envoler avec leur âme derrière Jikilimekri, derrière Makenene, derrière. Elles ne comprennent pas.
Je soutiens partout pour ça, franchement. Et si ça continue comme ça, on va vraiment créer le club des frustrés. Pour pouvoir combattre ces gens qui n'ont pas de sens. Ils ne disent rien, ils sont dans les crashs et les insultes. Aide-moi à détester. Ça commence à nous agacer. Mais on en a marre. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Une école camerounaise qui est gorgée de personnes intelligentes, des personnes même comiques, des personnes. Chacun vient avec son truc, you know. Mais on a un groupuscule de personnes. Lolo, comme je vous dis, Lolo Fondia. Et regardez, on est en train d'aller vers quelque chose. Je vous dis là, ça va être immense. On va faire ça propre. Si ça va être sale, ça va être sale. Vous comprenez, non? Je comprends. Lolo était à Abidjan quand tout ça s'est passé. Lolo a tout fait, je vous dis, la pauvre. C'est-à-dire qu'elle s'est arrangée à partout, elle dit qu'elle ne laisse pas. Elle s'est arrangée à être neutre. Elle a déploré, malgré qu'elle déplorait le fait que ça se passe comme ça. Elle s'est arrangée à être neutre. Elle est sortie de là avec plein. C'est-à-dire que le genre que tu sors, tu vois tes gens en train de se prendre la tête sur un truc que tu as envie de dire qu'elle laissait tomber. Mais chacun a son égo. Surtout, on ne va pas pour elle. Je ne sais pas ce que Perpétue lui a pris. J'ai dit toujours que ouais, si les gens connaissaient la maman de Pepe, tu veux dire à la maman que Ngoba Pa a dit que maman, c'est toi seul qui peux réparer. Là, la maman rencontre Ngoba Pa, le problème est fini. C'est comme ça que Ngoba Pa en voulait à Yvette Ngoma Tipi ici sur Facebook. Quand je me connectais n'importe où, elle entre Yvette Ngoma Tipi, jusqu'à ce qu'elle a fait la paix, m'a appelé, je suis content, j'ai fait la paix, ma soeur. Ngoba Pa, on attend le jour que tu fais la paix, compresso. On quitte sur les problèmes. Ah, ça. C'est qu'en fait, il y aura la paix sur Facebook. Parce que je ne comprends pas comment tu as un problème avec ta personne, c'est vos problèmes à vous deux, mais tu veux que tout le monde t'aide dans ce problème, jusqu'à ce que tu vas acheter. Un problème d'un monsieur qui t'a donné le tribunal procède pour, avec même des amendes à payer. Il y avait encore notre tribunal au Cameroun même, parce qu'il a aussi porté plainte simultanément au Cameroun. Nous quoi dedans? Nous quoi dedans? Hein? Nous quoi dedans? Non, arrêtez! Arrêtez à un moment donné. Arrêtez! Arrêtez! Nous on est fatigués. Coco n'est pas contente du mensonge. Ah, elle raconte des histoires. Tu sais que quand ça ne va pas, les pimentiers vont tout. Même Flo avait dit qu'elle m'a doigté. Flo m'a doigté. Vous laissez. C'est les mots de quand on dit l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc quand quelqu'un est connecté avec les parties basses, il ne peut pas faire un direct sans aller sur ça. Depuis que pas, je suis parti sur ça. La... Non, mais bio, je vais descendre. Hein. Je m'arrête chez mon ami le bon. Oui, mais... Ce soir, on va manger ensemble. Oui, d'accord, ma personne ensemble. Mm-hmm. Portez-vous bien, ouais. Merci. Hein. Je suis avec toi pour évacuer les vieilles bonbons. Oui, oui, la team des frustrés, oui. Elle va être une adepte de la team des frustrés. Non, mais allô, quoi. Qu'est-ce qu'elle veut montrer, Coco? Pourquoi tu prends toujours Coco? Laisse Coco tranquille. Laisse cette jeune gamine tranquille. Coco est contente des gens qui lui ont prêté leur épaule et leur main forte pour traverser le pont sur lequel elle était. Coco est aguerrie de tout ce qui se passe. Pourquoi tu prends toujours Coco? Pourquoi il te faut toujours quelqu'un? On va pas évoluer seul. Viens une place. On va pas. On finit méta, on met son sol. Calmement, comme des grandes vieilles chouettes. Chine brûle. Évolue seul. Laisse Coco tranquille. Arrête de manipuler. J'ai dit qu'arrête de manipuler, on va pas. Tu es là, c'est-à-dire que tu te bats, tu ne clashes pas, tu clashes. Je ne te réponds pas, tu réponds. Depuis la nuit des temps, tu nous clashes, tu as clashé partout, tu m'as clashé, vous avez même clashé partout, vous tous, tout là, tout même déco, mais il y a peut-être 3 semaines, vous tous, même Dorcas, vous tous, vous montez sur partout. Partout a fait vieux et ignoré. Maintenant, quand elle décide de s'envoler avec vos âmes derrière indiqué, vous êtes quand elle vous plaindre, elle va prendre le vol première classe, elle va s'envoler avec. Vous comprenez, non? Donc vous allez rester sur vol de 200 euros. À un moment, maintenant, dit que j'ai volé une chaussure, c'était tout le fruit de l'éliminage. Je vole toujours, moi, je suis une voleuse. Donc arrêtez bien vos chaussures, m'avez volé. Il a, quand la promotrice de l'événement n'a même pas fini de me payer, elle n'a pas fini de me payer. Donc au jour que je suis à la palette, elle a donné 100 euros sur 300 qui restaient. Et j'ai fait l'événement, ils sont en train de entendu non. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin de vous parler. Et ce n'est pas un clash, ce n'est pas une injuste, c'est la vérité. Donc on fait les choses en grand. C'était juste le biais d'avion. Parce que je ne demande même pas de cachet de ci, de ça. Je suis fière d'être au service de ma communauté de cette façon. Parce que je suis une personne qui adore l'événement. C'est une passion pour moi. OK? Tout pour vous, doigté, ceci, cela. Baissez. Je montre mon lieu de service. Parce que tu montres toutes les maisons, tu tapines dans Paris. Hein, on va pas. Tu vas montrer toutes les maisons, tu tapines dans Paris. Je vais vous montrer le service que j'ai vendu sur Facebook pour un défi. Bientôt, vous allez vous monter mon lit. Flore me demande si je vais monter mon lit comme je suis couché avec mon mari. Parce que je cède aux caprices des vieilles putes de bas étage. Mais arrêtez un peu. Respectez les gens qui vous dépassent. Franchement, n'importe qui. Toujours besoin des alliés. Il faut qu'elle prenne. Moi, je fonctionne une place. Comme je suis assise là. Les choix et les positions de Patoumé n'incombent pas à Nathalie Babali. Je vous dis déjà, quand Patoumé se lève, elle lance. Moi, moi, après, moi, je dis que oh, la grossesse, oh, l'enfant, oh. Moi, même bien me montrer la grossesse parce que je n'ai pas pu la voir. Quand j'étais à Paris à l'événement de la Guta, on s'est aperçu. C'est elle qui m'a porté me déposer chez la Guta. Après, elle avait déposé ma belle-sœur qui est venue de l'Allemagne et je ne l'ai même plus vue. Donc, elle vient me montrer même le bébé. Elle même va programmer. Le président dit qu'il attend le bébé. Moi, mais j'attends qu'elle vienne me montrer le bébé. Donc, pas toujours dans ton emploi, tu attends que tu vas mettre un voyage pour moi ici, là, pour te voir le bébé. La grossesse, il est là. Montre ton bac, montre ton. Elle n'aime pas le CET. Je ne montre rien. C'est tout ce que vous dites. Vous mettez la rhum manger, vous mettez au piment, je suis ça.
Vous êtes dessus de vous. Hein? J'arrange mes lunettes. Vous dites que mes lunettes sont déjà gâtées. C'est pas la blague. On a déjà arrangé maintenant. M'en fous. C'est cassé ici à côté. Je porte encore aussi. Je peux lire, je lis. Merci, pas toujours arrangé. Tout ça parce que tu n'as pas joué le rôle. Oui, oui, j'ai pas fait le suivi moutonnier parce que j'étais avec elle. Elles sont... Même moment, on était dans le téléphone. Vous avez toujours dit ça ici sur Meta. Avec Nadège, Lolo. Pour le deuil de. Il y avait une fille qui avait un deuil. C'était même quoi. Et ils ont dit que il faut que je. J'ai dit que je suis pas là. Je suis dans une team. Dans le téléphone, là, j'ai dit ça. Puis après, t'as Lolo a dit non. J'ai dit Lolo, je suis dans une team, aucune team. Mm-hmm. Je suis dans aucune team. Franchement. Elle a toujours besoin d'aller. Il faut qu'elle prenne tout le monde. Elle te bat. Elle appelle quelqu'un 10 fois, 20 fois. Il faut qu'elle convainc tout Facebook. Dit, jusqu'à la personne est contrariée. Hein? Contrariée. Qu'est-ce qu'elle peut dire, Ngopapa? Je n'ai jamais vu Ngopapa de mes yeux. Comme ça, comme on voit un être, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas comment on s'est vu. Je ne sais pas comment on s'est appelé. Je ne sais pas si on s'est assis pour causer. Mais quel est son point Yvette Ngomative? Je ne dormais pas. Je suis en direct n'importe où elle est en train de Yvette. Maintenant, comme c'est perpétue, maintenant elle veut que tout le monde l'aide. Je ne suis personne. Vous toutes, vous n'êtes pas différentes. Oui. Franchement. Regardez-moi ça. Moi, je vous ai dit que j'appelle les gens par leur nom. Hein. Elle peut dire tous les noms. Elle m'a donné tous les noms. Il y avait les noms de quoi. Je m'en fous. Les noms d'oiseaux. J'ai dit comme quoi, papa. Elle me clash depuis, mais par manière. Aujourd'hui, je vous dis qu'elle est descendue à la boue. Non, elle va descendre. Papa, elle va t'amener plus bas que terre. Le monde entier va savoir qui tu es. Et si je ne sortais pas ce jour pour dire la vérité, avant que les internets observent, on devait tout être en train de croire que ça a clashé. Laissez à clasher. On devait tourner, que c'est toi le moteur. C'est toi le vecteur directeur. C'est toi qui tourne tout ici sur Facebook. Flo vous a abandonné au carrefour de si je savais. Quand tu t'es levé, tu as vu que Flo a dit que c'est sa cour, compresseur, c'est sa cour. Elle n'entre pas. J'étais déjà en train de recruter Flo. Donc, tu sais que Marlo Fomoté là que oui, tu as dit que Flo a dit que Ngoï, tu l'appelles Ngoï, Ngoï, Ngoï. Ngoï, c'est un nom qui va encore faire quoi à Flo en 2024. Ngoï, même Flo se ouvre avec Ngoï. Ngoï, Flo se ouvre avec Ngoï. Flo, ça ne lui dit rien. D'accord? Elle a toujours fait des prémonitions que Coco m'a doigté contre n'importe quoi. Le plus important, c'est la conscience. Anne sans conscience n'est que ruine de mal. Nadège n'a pas une conscience tranquille. La fille de Rachel, directrice de Liberman. Hé, Nadège, encore papa, pourquoi tu n'as pas la conscience? Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Dans ta décision d'être désobéissante depuis ton jeune âge. Même le probatoire, tu n'as pas fini. Tellement tu étais désobéissante. Tu as l'embête par le tuyau. Quand on nous explique que tu as pris le tuyau pour l'embête, elle va embête. Piment. Hé, Rachel, perds ton âme. Ma Rachel, perds ton âme. Perds à ton âme, Rachel. Elle a fait deux filles. Une, comme ça. La deuxième, comme ça. On part où avec? Pensez que je vais suivre mon grand-papa. Hein? Elles disent que pour leur président, tu ne devrais pas. Choquant. Je parle avec Pépé. Elles vont s'amuser. Pépé va devenir ma copine. Moi, pour le mal, j'aime faire les choses. Hein. Juste pour le mal. Pour que ça vous pionce encore. Je suis comme ça. Quand vous me poussez à bout, ça devient ma copine. Moi, je suis comme ça. Oh, blaguez pas avec moi. Juste pour le mal. Je suis comme ça. Mm-hmm. Elles disent que pour leur président, tu ne devais pas parler à Diamant Bleu. Elles sont avec Monsieur Propre qui a passé son temps à insulter Monsieur Amour. C'est que leurs choses ne tiennent pas. Quand tu parles même Monsieur Propre, Monsieur Amour, il n'y a pas que cet exemple. Si on commence à prendre les exemples, on en aura beaucoup. On en aura beaucoup. Oui, c'est comme ça qu'elles fonctionnent. C'est-à-dire que c'est des gens qui font des paix moribondes, des paix à l'envers comme ça, mais qui viennent trouver que pour eux, voici comment tu devais marcher. Depuis quand je vous ai dit que j'appartiens à un groupe sur Facebook? J'appartiens à personne. Seule, une place. Vous comprenez quoi? Je monte la vitesse. Vous savez que je ne sais pas aller dans le sensationnel. Hein. Ma patouche va se charger. Quand Patou va les prendre de eux là. Parce qu'ils sont en train de continuer ce qu'ils continuent. Là. Parce qu'ils croient qu'ils vont camoufler. Patou, c'est la force tranquille. Elle laisse dormir, elle laisse mariner. Je ne porte personne sur Facebook, Nico. Parce que la probabilité que quelqu'un se lève le matin et change d'avis et devient ami avec quelqu'un que tu ne pensais pas être très grand. Je n'ai personne avec moi sur Facebook. Je suis une place. Elle contrôle ce que moi je décide. Parler de quoi? Je parlais de quoi? Elle est allée payer les tribunaux ici derrière pour monsieur, mais ça propre. Mais moi, il faut que je suive mon papa. C'est qu'il y a des choses que je n'ai pas envie de parler. Vous savez que il faut. Je veux t'appeler pour te montrer le direct de Ngopapa. Ah bon? Appelle dans le direct, tu mets peut-être ça passe, on entend aussi, mais moi je peux pas. Elle est bloquée en fait, c'est ça. Et vous savez, elle va dire quoi? Les choses que ma chaise pour compresseur.
ne va pas pour elle. J'ai dit que le jour qu'elle m'avait appelé, t'es assise sur ma chaise ici. C'était en décembre 21, vous avez montré mon téléphone avec ça. Elle dit que me sens a fait mal, mes compressions a fait. Puis j'ai dit, en tout cas, pour ma gouverne, les deux sont du pareil. Même si les bassins guettent, ils vont que se manger. Papi n'a pas aimé ça. Papi n'a pas aimé ça. Gomo Pion. Parce que c'est son nom que lui avait donné, n'a pas aimé. Gomo Pion n'a pas aimé. Vous comprenez, non? Franchement, je ne porte rien dans mon cœur. Mon cœur, ça appartient à ma famille, mes gens, mes amis. Et tout cela, c'est là. J'ai dit, ça glisse. Personne n'est considéré. J'ai dit que j'étais à l'événement à Paris. Elle avait prévu qu'elle m'a fait l'anniversaire de leur leader. Fait que elles ne sont pas venues. S'il fallait que j'attende, j'allais être. Oh, ils sont où? Ils sont. Et ça, j'avais pris mon programme avec eux. Qu'est-ce qui m'arrive à prendre? Tu m'as dit que tu l'appelles. Je l'ai appelé. Je pas appelé. Je sais avec qui, je parle avec eux. Je sais comment je marche. C'est des gens que tu te mets avec eux. Demain, on va dire que. Ou tu parles pour dire qu'on se met ensemble, on va dormir. Ils vont dire demain que c'est si. Je l'appelais une gros morpion. Elle m'a clashé ici avec l'affaire de Flore jusqu'à. Parce qu'elle n'était pas d'accord. Elle voulait prouver à Flore qu'elle aime trop pour que Flore enlève l'enregistrement ou elle prend un client à 30 euros. Juste ça. Elle m'a clashé. Tu fais quoi avec Flore? Laisse Flore. Tu exagères. Oh, que c'est elle. Elle fait partie des gens qui avaient aimé que je sois derrière Flore. Parler de quoi? Compression l'a traumatisée. C'est parce que compression l'a fait. C'est parce qu'elle réclame à compression. Moi, je sais pas. Jusqu'à ce que nous sommes clashés, nous sommes insultés, nous sommes mis à la vendite parce qu'on n'a pas accepté. Franchement. C'est bien. Ce qui est bien, c'est que sur Meta, chacun expose sa merde. Demain, on va savoir qui elle est. C'est tout. Ça ne chauffe pas. Tout se passe ici au Carrefour. C'est ça. Elle veut atteindre un point sa copine. Fais la paix à ta copine, ça la dépasse. C'est nous tous qui devons payer par rapport à quoi. Franchement. Kimia, je n'aime pas quand tu dis sors du milieu de ces femmes. La toile a un couloir, la toile a un carnaval. Nous sommes dans le côté japaptique. Pas dans l'exercice de mes fonctions, je me suis trouvé dans le côté japaptique. On a décidé de m'humilier, c'est parce que tu es nouvelle sur Facebook. Ça fait 7 ans, même 8 ans, pour ne pas dire. Détruis tout ce que j'ai pris le temps à construire. Tu comprends, Kimia? Donc ne sors pas comme tu penses là. Tu comprends, Kimia? Donc dans la vie, les choses n'arrivent pas au hasard aux enfants de Dieu. Ce qui est sûr, il y a une leçon qui va sortir. Et c'est elle qui ne croira plus à perdre. Voilà. Elle peut demander pardon à compressor, elle peut me trouver un moyen de rencontrer la mère de compressor. Hein? Elle peut trouver un moyen de rencontrer la mère de compressor. Ma maison est vieille. J'ai au moins une maison, si c'est ce qu'elle dit. Elle a quoi? Elle a quoi? Dans son HLM, elle a dit qu'elle voulait acheter, elle n'a pas pu acheter. Qu'est-ce qui a pu se passer? Les femmes qui font les réunions à 23 000 euros. Elle n'a pas de papier pour prouver l'achat de sa maison. Parce que c'est une pauvre pimentière. Elles disent qu'elles font les réunions. La réunion qu'elles sont venues arrêter, c'est signe des mailles. C'est les 23 000 euros. Si elles font les réunions à 23 000 euros, comment elle n'a pas pu acheter une maison? Goba pas. Elle voulait devenir star. J'espère que tu as monétisé. Tu as déjà ta page. Hein, Goba pas. Prends-moi 6 mois, tu vas devenir star. Je te garantis, parce que je suis pas n'importe qui. Quand ça se passe sur moi, on émerge. Oui, oui. Tu comprends, non, Goba pas. Tu comprends? Franchement. Je vais te dire, hein, ma chérie, la vie, ça. Je ne peux pas dire que c'est ignoble. Je sors de la plus grosse humiliation qu'une femme terriblement mariée, assise dans son foyer, peut vivre sur les réseaux. On va pas, mon pion ne peut pas dire quelque chose qui va atteindre le 1/10 de ça. Tu comprends? Ça ne va même pas atteindre 1/10 de ça. Toi qui ne comprends rien, je te bloque parce que je n'ai pas besoin des gens. Tu comprends? Non, bye bye. Je peux partir parce que si on est dans le Japon, quand je viens de là où les gens bien vont parler, peut-être tu vas faire un autre profil pour me suivre. Elle ne peut pas acheter, parce que pour acheter une maison, il faut prouver. Tu travailles, tu as un salaire, tu es ceci, tu es cela. Elle nous a menti, je voulais acheter. Pepe nous a raconté le A1. Nous, on connaît tout ce qui est. Parler, c'est-à-dire qu'elle est salie. Je n'ai jamais rien fait avec ces gens-là. Rien. Donc, je n'ai rien à voir. Je dors, je ronfle, je pète même si possible. Rien ne me fait. C'est qu'est-ce que c'est ça? Il faut arrêter. On ne peut pas faire ça dans la vie. On ne peut pas passer la vie à détruire les gens en restant impunis. Franchement. Vous parlez de quoi? Regardez-moi ça. Moi, je dis que je suis une femme avertie, allumée, vaccinée et consentante. C'est-à-dire que quand ça commence, je vous vois derrière. Vous êtes tous là comme des pions. C'est comme si je suis un jour diamé. J'ai l'échec. Échec et mat. Je mets là-bas. Je mets là-bas. Je bouffe le pion. C'est comme ça. Vous n'êtes pas dans mon cœur. Vous êtes. Je ne sais même pas comment où je peux vous placer. Quand j'avais d'abord dit dans le téléphone que je suis d'aucune team, elles ont d'abord fait tant mort. Après, Lola dit non, elle est dans la team, rêve un match que. Si elle ne veut pas être dans la team, elle veut se mettre sympathisant, laisse-la être sympathisant. On force. Non, ça s'arrêtait là. Parce que je savais qu'on peut arriver à un carrefour comme ça. Et qu'on arrive à un carrefour comme ça, que tu as donné ton âme, ton esprit, tu vas être mal. Je n'ai aucun remords. Parce que je les ai prises là où elles étaient. Et je les ai relaissées là où elles étaient. Voilà. Vous comprenez, non?
Vous comprenez, non, c'est ça. J'ai compris mes tarés. Oh là là, moi là. Ah, renseignez-vous. Ne me mélange pas comme n'importe quoi. Rêve, rien que le clash. Je vous ai dit que rêve, je vous ai expliqué pour rêve. Rêve n'a pas le choix. Elle est vendue à Nadège. C'est comme le comment je peux appeler ça? C'est l'achat confirmé de Nadège. Rêve est vendue à Nadège. Pour rêve, Nadège. Un moment, rêve faisait même l'apologie de Nadège en oubliant Coco. On a tout vu ça sur leur mur. Oui. Elle faisait que Tata Na, dans la team, je n'ai que toi, je n'ai qu'elle oubliait un peu Coco parce qu'il y avait des petits trucs par rapport à parapotage. De quoi on parle de quoi? Aïe, aïe, aïe. Un poids lourd comme moi. Rêve, je peux pas m'asseoir, c'est une petite chaîne de chat. Qu'elle gère les choses de leur groupe de haineuses, les plus grandes haineuses de métal. J'ai menti que c'est ma patouche. Et que patouche, la grossesse là, non. Moi, je veux voir ça. Il faut que dans ton emploi du temps, tu trouves le temps de venir me montrer la grossesse. La grossesse là, tu dois faire le tour du monde. Quand tu viens pour montrer la grossesse, prends quelques années. Et ces vieilles chouettes là, tu t'envoles avec. Avec la séchée de pasteur. Bob, football, John, votre somme à mettre là. On n'y que tu vois, tchak, chou, kao. Voilà, là, on soigne. Allez, les gars. N'importe nawat. Elle est seulement obligée, on ne va pas, de coller, ramifier. Elle ne peut pas évoluer seule. Si elle se trouve seule, comment elle va seulement mourir? Peut-être même fermer son corps. Moi, je me connecte tous les jours. Seule, et je me connecte. Tous les jours, je fais le direct. Vous vous amusez, chaque jour, je vous garantis un direct. Ça ne chauffe pas, je suis debout devant vous, comme dit. Ouais! Patricia, tu viens avec quelques âmes, envole-toi avec ça. Moi, je veux voir la grossesse là en direct. Viens, je vois la grossesse. Ouais. 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 Je dis que ma belle Saint-Marie doit aller là. Je t'aime comme le peuple, la salité à Foucault. Elle cherchait tout le monde entier pour combattre une seule personne diamant bleu. Maman, perpétue, une petite. J'ai déjà vu perpétuer. Ah bon, ma petite madame, je. Il y en a un petit tout délicate là. Tu l'as encore regardé, j'ai dit que haba. Donc c'est elle-ci là qui fait qu'on ne va pas le dog. Comme elle appelle Bombo Indi. J'avais demandé que Bombo Indi me dit qu'on dit que tu la gagnes, tu es un bas. Tu veux rien dire. Mon pion, une fond de ok. Encore mon pion. Donc mon pion, Bombo Indi. Tout ça, c'est elle. Elle a voulu recruter Follow Larissa. La nuit là, Dorcas a appuyé. Hey, Dorcas avait 2000 personnes, elle m'a dit. Dorcas, comme je ne vois pas Dorcas, Dorcas a appuyé. Oh, tu dis que pour que Flor dise que. Hey, donc, tu m'as appelé Ngoï. Flor Ngoï pas encore fait quoi, Flor? Même si elle voit Flor face à face. Qu'elle m'a fait la pépé d'Ngoï. Je te jure, j'ai appelé la pépé de petit Ngoï à Flor. Elle va rien faire. J'ai vu un mec qui a appelé Sopromas au palais, là-bas, à Machine, il rigolait. Tu vas faire quoi? Quand elle-même m'appelle Bourosangue, c'est quoi? Elle-même, la femme, t'es même assise au Canada. Il y a une salle, nombre de femmes qui. Ouais, Libanga, c'est ça que tu dis petit comme ça. J'ai dit qu'elle n'a d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'elle fait. Où elle a donné quoi à rêve? Rêve, c'est Chinda Pro Max. Premier Chinda, Chinda numéro 1. Tata n'a ceci, une femme intègre. Beaucoup de gré apologie de l'humain. Une femme ceci, même si on a encore ça. Vous dites qu'elle rit quand on me clash. Elle est obligée. Sinon, Nadège, je vais dire pourquoi tu n'as pas ri. Oh, ri, tu mets même les têtes de. T'as dit que tu m'insultes même, Tatana. Rêve. Je ne peux pas me lever sur vous. Pas me lever. Je comprends que vous avez des âmes prenables. Vous êtes des âmes prenables. Vous êtes manipulables. Moi, on ne manipule pas. Vous êtes des personnes manipulables. Moi, on ne manipule pas. Je vous dis ça. Donc, rêve. Quand une âme clash, ris. Comme tu ris là, quand Dorcas me clash, ris comme tu ris là, rien à foutre. Vous êtes des âmes prenables, vous êtes manipulables. Moi, on me manipule parce que je suis une fille bangantée. Mais tout le monde qui a été la chefferie première d'une dame, sans doute. Bonjour, ma chérie Agathe. Love you too. Elle tient beaucoup. Je vois quelques Lolomaya qui se perdent ici. Elle avait, je ne les avais plus jamais vus. Vous êtes encore venus. Rêve, vous avez donné l'ordre de ne plus me suivre. Vous venez encore faire quoi? Pardon, faut partir. Vous commencez à vous bloquer. Vous ne perdez pas ici. Parce que vous avez dit que vous ne faites pas comme ça. Comme si vous pensez qu'on est venu sur Facebook pour vous. Vous ne voyez pas que je bloque tellement déjà mes gens. Mais mes abonnés font qu'à abonner. J'avais 74, je suis en train d'aller à 75. Vous ne voyez pas que je bloque tellement, ils font que venir, ils ne peuvent pas me bloquer. Il ne faut pas vous perdre. Suivez derrière la fenêtre. Allez, suivez là où on fait la rediffusion. Je parle de l'Olomania là. Qu'elle voit vos noms, levez-vous bloquer. Voilà. Tu es meilleur. Merci beaucoup, ma chérie. Bonjour, 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 la lumeuse. Comment tu vas voter? Donc voilà. Alors, voilà. En tout cas, Flore a refusé le recrutement. Chapeau haut à Flore. Flore a dit que Père Petit, c'est sa cour. Elle n'entre pas dedans.
Oui, Nadège va lui demander pourquoi il n'a pas ri. C'est comme ça qu'elle fait l'harcèlement de Nadège, c'est la magie. Oui, Nadège harcèle ces femmes-là. Pourquoi tu n'as pas ri? Quand j'ai parlé, tu n'as pas répondu. Pourquoi tu n'as pas fait ceci? C'est comme ça. Elle est obligée de rire, obligée de. C'est comme ça. Parler de quoi? Coucou, mais tu es la force. Oui, la force de l'entour. Mais oui, hey, c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Je les traite, maman. Ils sont dépassés. Mais on ne savait pas. Elle pouvait quand même s'entendre avec nous. Pourquoi elle a refusé l'alliance? Elle pouvait se mettre avec nous pour qu'on casse nos ça. Ah ben, quoi? Elle avait fait des postes. Tata n'a une femme ceci, une femme cela. Un dernier numéro. Oui. Rêve la China de Nadège, China Promax. Oui, Nadège, elle en plus beaucoup. Elle les appelle, elle cherche à les convaincre. Elle va dire tout Montréal, tout Facebook dit que tout Facebook, tout dans ta tête, oui. Ces attitudes des manipulateurs. Mais elles ont peur de Nadège. Nadège les domine à un niveau pas possible. Moi, Nadège, je ne peux pas me dominer. Depuis quand une putanasse avec les morpions dans le poids, tout peut me dominer avec quoi? Les morpions, on dit qu'avant d'accoucher, on commet du zanzatou. Vous, à l'hôpital. J'ai dit que, yé, vous dites la vérité. On dit que oui. Maman, c'est pas moi qui dis, c'est ce qu'ils disaient là-bas. La paix. Je suis assise par terre. Maman, je t'assieds chez moi. Je vais aller maintenant faire un souper à mon chéri. J'ai envie de lui faire des steaks. Donc, j'ai peut-être fait une sauce. Ça fait longtemps, une sauce gombo, genre. Je veux qu'il mange quelque chose. J'ai fait une sauce gombo. C'est son marabout, pas très efficace, apparemment. Ouais. Nadège tient les secrets. Aka, quel secret? Ce qu'elle raconte, c'est qu'elle tient quoi? Qui va se confier à elle? Tristement célèbre comme c'est Morpion. Qui va se confier à Morpion? Elle tient aucun secret. C'est juste qu'ils essaient, ils sont un peu redevables parce qu'ils ont des choses, elles se connectent. Elle aussi là, disponible pour eux, c'est tout. Marco, tu viens quand j'ai à finir. Ça fait longtemps. Maman fait entrer ici, le diamant bleu, moi, les pleurs partout, partout. On va pas seulement lancer le direct. L'amitié a avancé comme ça. Ouais. Ici, là, il est 15h50. J'ai beaucoup duré en direct. Je vais vous laisser, maman. Je vais vous laisser. Hé, maman, j'ai beaucoup duré en direct. Je vais vous laisser. Vous allez suivre un gomopion là-bas. J'en ai rien. Elle a débordé, exagéré ce soir. On ne parle pas comme ça. Mais ça, c'est elles qui sont en train de se ridiculiser. Pendant ce temps, on va venir voir une femme assise. Tranquillement, avec ses chaussons. Je vais prendre un thé. Alors, mon thé, il était à... Je vous ai dit tantôt, non. Alors, il était avec des framboises, de la pêche. C'est un mélange. Voilà. Et pêche, framboise et citron. J'adore. C'est mon... Moi, framboise, citron, c'est mon must même dans les gâteaux. C'est ça que je viens de prendre. Et je suis assise comme ça. Elle est sûrement en train de squatcher dans une des maisons où elle a vendu le piment toute la journée. Les clients n'arrivent plus et puis elle décide de s'asseoir. L'épuisement du corps de ça. L'épuisement du corps de ça. Ouais. Ouais, tu as vu le diète, arrête. C'était la magie. Calmement. Dans les règles de là, ils m'ont accusé d'un vol de 200 €. Là, j'essayais d'expliquer. Maintenant, ils prennent ce qu'ils veulent. Là, s'ils ne prennent pas de la graine, j'en ai rien à foutre. Je suis pas à 200 € près. D'autant plus que la promotrice me doit même encore de l'argent. Donc voilà, je fais les choses calmement. Quoi, je m'en fous du reste. Comprenez? Moi, je ne comprends même pas pourquoi Nadège a subitement changé de camp. Elle était et qu'elle aimait, mais ça, ou que ah. Nadège, je vais vous dire une chose, c'est une fille qui manque de stratégie, c'est une fille qui a peur. Elle ne peut pas évoluer seule, il faut toujours des gens. Je vous dis qu'à l'époque, elle s'est collée derrière Flore pour m'insulter. Après, elle s'est mise avec des abeilles pour m'insulter. Pendant longtemps. Après, ça s'est gâté avec Flore. Elle a rabattu chez Lolo. Quand elle a rabattu chez Lolo, c'est aussi la même chose. Il faut toujours des gens. Parfois, elle va appeler. Oui, vous, ça, il y a telle chose. Comme si elle veut faire une stratégie. Parlons pas de ceci. Donc, elle veut faire arranger les choses. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je ne suis pas dans un groupe pour dire que faisons ceci. Ne signalons pas comme ça parce que, comme. Ou bien Lolo a dit que. Hé, hey, Lolo, bah oui. Donc, je vais seulement être sur Facebook. J'aurai quelqu'un à ma tête. Qui? Je vous connaissais. Je vous connaissais pas. Pourquoi je dois avoir quelqu'un sur ma tête? Franchement, il reste encore 200 €. Ma chérie, il manque 200 €. La femme de truie, j'ai pas de problème avec elle. Je cause très bien avec elle. J'ai géré ça avec beaucoup de philosophie, mais ils veulent me coller un 200. C'est qu'on doit tout me coller. Non, Flo a dit que j'ai beaux arts. L'autre a dit que j'avais pas l'argent. Je suis une mendiante. Je suis ceci. Pendant ce temps, je suis assis chez moi. Ils ont dit que j'ai même pas la maison. J'ai une vieille maison. J'ai les carabots. Tout le monde a dit ce qu'il dit. Donc, c'est moi qui va régir comment on construit les maisons au Canada. Oui. C'est tout. Que Ngoba part, fait même 700 directs, que Dorcas multiplie, que Doko me vient à la rescousse, que Sylvie Tenier, c'est là, que même Mila Tampo, parce que j'ai bloqué Mila Tampo aujourd'hui. J'avais déjà traîné beaucoup, ça l'a bloqué. Voilà. Oui, j'appelle Flore depuis janvier, Philomène, ça veut dire que tu es en retard. Depuis janvier, j'appelle Flore. Et je te rappelle pour ta gouverne, Flore a fait un direct, il n'y a pas longtemps, m'appelait Nathalie pendant longtemps.
C'est demain qu'elle a recommencé que Moussang est égoné, qu'elle voulait m'insulter et pas tout sur l'affaire de paix avec compresseur. Oui, oui. J'appelle Flo Flo depuis un bon bout, hein, ma chérie. Ça veut dire que tu es en retard. Tu ne me suis pas trop. Mm-hmm. Voilà. Ouais. Moi, je dis, ce n'est pas une stratégie que Nadège. Nadège, c'est une ombre d'elle-même. Elle a vraiment, je ne sais pas ce qu'elle a comme problème, cette dame. Il doit avoir une aigreur, une frustration dans sa vie. On m'a dit que son fils est en prison. Moi, je ne sais pas si c'est vrai, c'est faux. Moi, je sais qu'on raconte tellement de choses sur mes têtes. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai jamais cherché à savoir. Parce que c'est sa vie, c'est ses affaires. J'en ai rien à foutre. Mais je suis au-dessus de toutes ces dames. Ordre des assises, ordre des ordonnées. Je suis assise comme ceci au-dessus d'elle. Aura. Ouais. Ouais. Elle cherche le renfort. Elle a tout fait pour mettre Coco dedans. Oh, Coco m'a doigté. Elle dit ça depuis, hein, depuis qu'elles se sont assises sur Lolo. Nadège. Coco a suivi un direct. Coco croyait que j'étais en train. Je dis non, c'est Nadège. Elle joue par manière. Elle fait comme si elle clash. Elle, après, elle ne clash pas. Elle fait tout comme. Moi, je fais son jeu depuis. Hein. C'est ça que j'étais sortie sur elle un tour. J'ai dit que la fille, si son jeu ne va pas passer par moi. Moi, j'ai tapé sec. Pendant que j'ai tapé, j'ai dit que lui, il casse. J'ai dit que c'est Nadège. Tapé sec. Elle même n'en revenait pas. Ouais, non. Mm-hmm. Déséquilibré mental. Et une femme pimentière qui fait le piment depuis le temps d'Aïdjo a beaucoup d'esprit. Peut-être que c'est ses esprits mélangés en elle qui se lèvent et la frustrent, je ne sais pas. D'autres réussissent à prier et évacuer ça. Moi, je ne sais pas. Il faut prier, Anna. Il faut prier. Je t'appelle encore Tata Anna. Sinon, tu connais ton autre nom que je t'ai donné, Ngomopio. Voilà. De quoi? Ok. On dit quoi? Menti que Coco a couché, mais Coco a écrit en commentaire qu'il ne faut pas faire ça. Moi, je vais vous dire une chose. Coco, hein, c'est une petite fille très intègre. Moi, je suis hormis le problème avec Flore, vous savez. Moi, j'ai soutenu Coco parce que j'ai parlé avec Coco de vivre. Ce n'est pas par rapport à Flore. Et j'ai vu que Coco était dans quelque chose et il fallait connaître cette fille à traverser ça. Il y a des jeunes filles qui rentrent dans des trucs un peu compliqués. Tu comprends que Flore avait vraiment une emprise sur elle. Dieu merci, j'ai amené ma pierre à l'édifice. Je ne regrette pas. Aujourd'hui, même si elle réussit à manipuler Coco et que Coco se lève, je ne vais pas considérer. Moi, j'écris à Coco, Coco, je te comprendrai, ma fille. Vas-y. Elles sont ensemble. Elles ont leur business, leur rapport. Pour leur relation, je respecte ça. Je respecte ça. Je n'ai pas de problème avec ça. Coco, c'est un. Ça dit que si quelque chose arrive, elle sera vite là. Donc va avec elle. Moi, j'ai pas de problème. Peut-être elle va venir même peut-être dans 6 mois, dans 1 an, non, je sais pas. Non, Coco, franchement, tu m'as montré l'amour d'une fille. Je t'ai montré l'amour d'une mère d'un seul cœur. J'ai pas grand chose. Je peux pas. Je sais pas. Je peux pas être Dieu dans ta vie. Tu comprends? Ce n'est pas grave. Vas-y, Coco. Mais ce que je trouve déplorable, c'est qu'elle utilise cette gamine pour mettre dans le truc. Elle a d'abord dit j'étais interdit d'aller chez. Après, elle est encore venue en direct, dit que c'était une façon de blaguer. Et rêve qui au milieu, je ne sais pas là, voit tout ça, mais c'est comme si c'est tout comme moi. Voilà. Je vendais le piment à Paris, je veux qu'elle me montre. Moi, j'adore ça. Je n'ai jamais fait ce métier. Flore m'a même collé le ventre de piment en Suisse. Jamais. Je n'ai jamais vendu le piment parce que j'aime tellement mon corps. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Je ne peux pas le salir. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. J'aime mon corps tellement que. Et je suis une femme très dédaigneuse. Vous comprenez? Très dédaigneuse. Les mélanges, mélanges, salive, machin. Je ne suis pas dedans. Vous savez la salive que vous, vous faites avec quoi? Je ne connais pas. Je ne suis pas dedans, en fait. C'est pour ça que vous n'allez pas me trouver dedans. Coco dit que Reine Mère Bio lui a dit de sortir dans le Tikin Chui. Qu'elle la conseille beaucoup. Elle dit que Nadège ne doit pas agir comme ça. Tu verras les commentaires. Ah, les commentaires! Ok! Ah, Tata Anna, tu sais quand Tata Anna est fâchée là, elle va commencer à tourner tout. Mais demain, elle va venir te dire que Reine Mère Bio, ce n'est pas ça. C'est que souvent, vous savez, les gens qui ont atteint la haute sphère de prostitution avec toutes sortes de clients, il y a les travailleurs de construction avec les grosses bottes là-bas, Baranges, il y a les gens, les creuseurs de tombes, les morguiers, tous ces gens, les personnes de clients, les policiers, tout ce qui, toutes sortes de personnes qui viennent la trouver. D'un moment donné, elle a 10 000 esprits en eux. Donc quand ça la pique, elle fait tout et n'importe quoi. Mm-hmm. Moi, je pense que n'exigez pas Coco, hein, n'exigez rien à Coco. Moi, je parle à Coco, moi, j'écris à Coco, moi, j'ai aucun problème avec Coco. Elle va appeler Coco, elle appelle. Ce que je dis à Coco, c'est ce que je pense. J'ai pas peur. D'ailleurs, je suis une personne, je suis un livre ouvert. Ce que je dis out, off caméra, c'est ce que je dis in caméra. La même chose, le même bout. Je ne suis pas moutonnièrement les gens. Je n'aime pas ça. Vous comprenez, non? Et je n'ai pas besoin de soutien. Je n'ai pas besoin. Coco sait. J'ai le dos large. J'ai une enfant ici, il faut que je vous dise ça. Elle s'appelle Blonde Alice. C'était la fan de Flore. Quand j'étais dans la team de Flore, Blonde Alice était dans la team. Je vous explique la petite histoire. Coco, à mes yeux, est comme Blonde Alice.
Blonde Alice était dans la team de Flore, enfant de Flore, ça dit que, et parallèlement avec Monsieur Messant. Quand ça s'est gâté entre Flore et Messant, Blonde Alice a rabattu chez ses parents les Messants. Elle, c'est toujours elle, moi. Quand j'ai commencé mon démarrage en couple avec Flore, qui a duré 6 ans de ma vie, Blonde Alice avait peur. Elle m'écrit, dit, ma mère, tu vas pas t'en sortir. Bon, je lui ai dit, laisse-moi, regarde-moi aller. J'ai pas besoin d'aide. Je n'appelais pas Blonde Alice, que ouais, va leur dire que non, que veux faire, fais-moi seule. Oui. Après, Blonde Alice n'est même plus même à elle, elle a demandé même pardon à tout le monde, même à Flore, tout le monde. Blonde Alice, c'est vraiment comme libérer, délivrer des puissances des ténèbres. Vous comprenez, non? Mais Blonde Alice sait. Donc, je vois Coco comme ma fille. Là, je vois Coco, ah, je peux accoucher une fille comme Coco. Donc, c'est quand vous dites qu'elle boitait, parce que j'en ai rien à foutre. Quand j'allais chez Coco, mon chéri savait que j'allais chez Coco. Vous comprenez ce que je veux dire? Et quand je suis avec Coco, je dormais avec sa fille, Nashma. Dès que sa vie elle a dit, tata, je dors avec toi, je dis, ok, beauté. Elles sont tellement adorables, ces enfants-là. Nadège, ne détruis pas ce que Coco est en train de construire. Si tu es une maman pour Coco, parce que tu es l'égal de la mère de Coco, tu peux mettre une fille comme Coco au monde. Donc, ne détruis pas ce que Coco est en train de travailler pour construire. Vous comprenez, non? Ne détruis pas. Ne mets pas Coco dans l'embarras. Coco est embarrassée. La dernière fois que tu as encore fait ton le fils de Coco était chez toi, elle est encore embarrassée. Quand tu fais ça, Nadège, réponds-moi et laisse les protagonistes. Gère-moi une place, chérie. Fais des directs, je t'ai jamais été ma copine, on n'a rien en commun. Réponds quand même, fabrique comme Dorcas. Dorcas a fabriqué que ma dernière fille a 10 ans, je suis mariée à 45 ans, à combien, quoi, comment, chez tout. Hein? Non, Nadège, tu es le diable en personne. Tu es le diable en personne. Ta chine principale, c'est Rêve Mbiaye. Le diable en personne. Le diable, non, Zavi, ne dis pas ça, Zavi. Tu vas faire, je vais te bloquer. Tu es ici à Québec. Ne dis pas que Tata n'a vu déranger. On ne dérange pas comme ça. Tout ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Tata n'a ne peut pas venir me déranger comme ça. Zavi, si tu continues, je te bloque. Mais tu es quelqu'un de eux. Tu es une lolomania. Tu continues, je te bloque. Tu es ici à Québec, je te connais personnellement. Tu continues, je te bloque. Ne dis pas que Tata n'a vu déranger. On ne dérange pas comme ça. Il y a les limites d'acceptation qu'on n'appelle pas. Arrête tes conneries, Zavi. Je ne suis pas d'accord. Tu continues, je te bloque. Tu es ici à Québec, je te connais bien. Tu es une donneuse même d'étoiles à moi, même parce qu'on se connaît même personnellement. Avant que tu aies aussi lolomania, je te bloque. Tu es même souvent chez Barbuti. Mais tu continues de te bloquer. Arrête tes conneries que Tata n'avait dérangé. Ne donnez pas l'excuse aux merdes que des vieilles personnes vaccinées consentantes font sur les réseaux. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Coco a bloqué ma pute. Non, pour Dorcas, hein. Dorcas mélange tout. Dorcas dit les choses, ça n'a même pas de sens. Non, 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 je te dis parce que Zavi, tu as dit que Tata n'a adhérent. Tu ne peux pas prendre un direct d'affaire, la virulence et l'intonation et la rigueur et la méchanceté avec laquelle Tata n'a fait le direct. Tu dis qu'elle est en train de blaguer, arrête tes conneries. Elle ne peut pas mettre Coco dedans. Pourquoi elle utilise Coco? Qu'elle laisse Coco tranquille. Faut arrêter. Il ne faut pas amener Coco à aller se trouver à te verser, Nadège. Tu es la mère de Coco, tu es comme sa personne. N'amène pas Coco à te verser. Non, même aux commentaires, je ne veux pas que tu penses que Nadège est en train de blaguer. Arrêtez ça. Quand les gens vont dans la ramasse, ne dites pas qu'ils blaguent. Il y a des limites qu'on n'atteint pas. On était bien ensemble, mais Nadège déteste compresseur. Et Nadège veut finir. Pour elle, compresseur doit mourir. Compresseur doit piétiner sur la tête. C'est pas normal. Compresseur lui a pris quoi de tuer quelqu'un? Il faut qu'elle nous dise alors c'est qui est mort dans sa famille au nom de compresseur. Qu'elle arrête un peu. C'est comme ça qu'elle faisait avec Yvette Ngombati. Au final, on a vu que leur problème, c'est même Bachot qui a activé tous leurs problèmes. Franchement, elle a fait quoi? Elle a profondément blessé Coco et elle lui a fait comprendre en commentaire. Non, tu sais, je vais vous dire une chose. Coco, comparé à beaucoup de gens sur le net, est une fille qui a des valeurs, qui est logique et qui est surtout respectueuse. Vous voyez Coco avec Mongue. Coco a sa tante Mongue qui dégame. Coco ne gère pas, Coco ne parle même pas toucher un truc de Mongue. C'est ça qu'on montre qu'on a un enfant qui a un respect. Comparativement à Blanc-Buti, que les Mula Tampou et tous ces gens ont recruté, elle lance les directs, elle dépose la caméra, on m'insulte. Proprement. Il y a beaucoup de choses que Mongue fait, que Coco peut même dire que je coupe, je reposte. Mais pour pas qu'on vienne insulter sa tata Mongue, Coco ne répond même pas. Coco a le respect. Moi, dans Coco, j'ai vu le respect. C'est le respect qui lie Coco à Nadège. Mais Nadège veut bafouer ce respect. Nadège veut bafouer ce respect. Non, Nadège, tu fais trop de dommages. Moi, je trouve que mettre Coco dans ça, c'est pas bon. Oui, mon mari n'est pas le père de mes enfants. Ça ne dérange pas, mais il m'aimait. Vous avez dit que je ne travaille pas. Il travaille, il me nourrit. On a dit que le dernier a 10 ans. Un autre a dit qu'il a 2. On dit que maman, où est le pot? Il m'aime. Le type là m'aime. Le type là m'aime. Je vais faire comme... Vous avez vu le man, non? Il est debout comme... Il était le poing, la chair, le poule. Maman, maman. Nadège, arrête. Même dans le piment, là, tu manipules les filles là comme ça. Arrête.
Ton déséquilibre se fait déjà ressentir. Il devient notoire, Nadège. Arrête, s'il te plaît. Tu as déjà pris, tu as pris l'âme de rêve. Tu as mis dans ton essai. Rêve ne jure que par toi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Rêve qui était comme une personne intellectuelle. Comme moi, je ne comprends même plus rêve ces temps-ci. Par contre, rêve dit que quoi? Elle est prête, mais que c'est Bapit qui parlera à sa place. Elle est prête, elle va faire quoi? Rêve va faire quoi? Rêve, tu vas m'en boucler. Tu m'as dit quoi? Tu vas faire quoi? Tu es prête, tu vas faire quoi? Je ne vais même pas te calculer, petite soeur. Tu laisses une petite soeur de soi-même pas te calculer. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit quoi, rêve? Elle est in love avec un peu mais Blabuti. La grosse était là-bas, Harry, juste à envoyer les. Non, j'ai bloqué Blabuti avant-hier. Donc, si Harry, c'est normal, je l'ai bloqué. Parce qu'elle a fait plusieurs directs avec preuve à l'appui où on m'insultait. Et les gens qui m'aiment, qui me suivent et qui la suivent, sont allés lui parler, n'a pas écouté. J'ai dit, ok, elle a continué. Donc avant, si j'ai vu un direct, qu'elle était en train de débouffer de moi, j'ai dit, mais cette fille, elle va me prendre comme un objet, je vais passer pour voir ça, pour me trouver un matin à parler des choses à une cousine au 7e degré, comme il ne faut pas bloquer. C'est pour ça qu'elle doit rire. Donc, qu'il la prenne, Nadège, et surtout Mula Tampou, et ils vont là, comme elle cherche les vues, si, avec 6500 abonnés depuis 2 mois, si ça peut la faire avoir ses 10 000 et évoluer, elle peut même s'asseoir que sur moi. Elle prend là où les autres couples, là, elle rediffuse. Mais je ne veux plus voir. J'ai bloqué Black Beauty avant-hier. Je ne suis pas personne là-dessus. Voilà. On va gérer les choses au quartier. Parce qu'avant, on n'était pas trop proches non plus. Là. C'est pas comme une cousine qu'on n'a pas grandi ensemble. Mais c'est la famille. Coco m'a demandé que ma mère. Coco m'a été fâchée. Je vais aller monter sur Black Beauty. Propre. J'ai dit que, hé, ma fille. Elle dit que non, ma mère, je n'aime pas ça. C'est exagéré. Donc, Coco est comme ça. Elle est loyale. C'est plus fort qu'elle, ce qui se passe. Même quand elle a dit qu'elle donne, elle soutient, mais ça, c'est parce qu'elle a bien expliqué. Compresseur, il t'a aidé pour le deuil. Tu n'as pas de raison de venir le verser comme ça. Coco va avec la logique. Vous ne pouvez pas dire que parce qu'elle a dit ça, ça veut dire que non, 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 non. Laissez les gens utiliser leur logique et leur niveau de raisonnement. C'est très important. Voilà. Oui, on sait que ce que Nadège n'est pas vrai, mais je suis désolée, Zavi. Il y a un niveau, tu vois, Nadège est trop dans la ramasse, quoi. Oh, ouais. Oui, Coco est respectueux jusqu'à ce qu'on la pousse à bout. Et quand la pousse à bout, elle peut fabriquer bien, mais si ça, ça devient bien gros. Donc arrête Nadège. N'amène pas Coco là-bas. Voilà. N'amène pas. Moi, j'ai dit à Coco, hein, Coco, c'est comme ta maman, ta grande soeur, et vous avez vos business, vos choses. Bon, hein, reste avec. Franchement, comme tu parles en bien de Coco, Bapit va la détester, mais elle sera obligée de faire le modèle parce qu'elle ne va pas vendre le piment seul. Ouais, laissez ma fille Coco comme ça. Coco en amour, hein, Coco à son amoureuse, pardon. Je sais qu'il faut être idiot pour croire, mais non, Zavi, ne dis pas ça. Ne dis pas ça, Zavi. Nadège exagère. Rêve est sans personnalité. Ah, moi, je ne peux pas dire ça. Rêve, c'est quand même une petite soeur de choix. C'est qui est sur, c'est ça. Rêve, poubelle, qui cherche la star mania sur les faux profils. Et qui est? Vous êtes surtout aussi trop déjà. Hein. Pardon. Vraiment, Rêve m'a déçu. Elle qui se dit intellectuelle. Ah, moi, je ne sais pas ce qui lui arrive à Rêve. Mais Rêve est la chinda de Nadège. Vous êtes une belle personne. Merci beaucoup, Soleil. Ça, je le sais. Mon mari me l'a dit. Vraiment. Ouh là là, je suis restée beaucoup en direct. Hein. Je vais vous laisser maintenant. Si vous laissez, bon, non. Amélie a cassé la calabasse sorcière. Oui, oui. Ouais. Seigneur, attendez, masse à la famille, attendez, en tout cas, Coco est contre le... Oui, Coco, hein, je vais vous dire, Coco n'est pas quelqu'un manipulable, en fait. L'impacteuse dans la positivité, mais à distance, on te suit et on croit en toi, pas de danse, bah, non, 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 Frida, tu connais, un jour, Coco, que tout va se fatiguer de la vieille peau de ma pute. Ouais, Coco est très intelligente. Coco, en fait, on l'appelait Black Bot. Non, c'est pas le mensonge. Elle est super intelligente, cette fille. Je lui ai même dit de retourner à l'école. Eh, ma mère, tu crois que j'ai dit oui, mon bébé? Moi, je suis ta mère. J'ai 5 ans, tu te balais retourner à l'école. Toi, tu peux. Ah bon, ma mère, je dis oui. Elle dit, yesh, ma mère. Elle a souvent les façons comme ça qu'elle me dit. C'est vrai. Elle est très intelligente, Coco. Elle va dire quoi? En habitant dans un foyer où elle n'a pas le droit. Ok. De percer le mur jusqu'à poser la photo de la mère sur les anciens chauffages. Ok. Ouais, comment vous l'avez aussi comme ça? Ouais, Facebook. Le couple avait mis le diamant bleu dans la marmite de la sorcellerie. Hé, hey, la paix, le bien, la future cause de notre diamant bleu. Mémé. Voilà, Mémé, alors, la personne personnelle, c'est notre Tinda de Tatana. Mémé, c'est Tinda numéro 3. Le rêve numéro 1, c'est qui le Tinda numéro 2 de Tatana? C'est Décom. Ensuite, c'est Mémé. Mémé, mon bon, Tinda. Tchachou. Tchachou. Grand mon pion, le Unzo, que carré. Au bout de chaque que zone de Dieu. Moi, Tchinda, là. Mais tu es Tchinda. Je ne savais même pas que Mémé est ici. Tu ne vas pas là-bas. Pas là-bas. Alors, oui, ah, la cise, quoi. J'ai dit et redit que le jour où Diaba me va laisser le milieu blanc, lui, il montrera son véritable mari. C'est le vent en Russie, ne gère pas. Même moi, je suis retournée à l'école. Oui, bien sûr, j'ai beaucoup de femmes. Je salue toutes les femmes d'un âge mûr qui sont retournées à l'école. Ah, Mémé, je te bloque. Mémé, je te bloque. Tu dis que j'ai cherché, Mémé, je te bloque.
Je te bloque parce que tu dis que Reine Mère Bio, le cash c'est avec Nadège. Toi-même, tu as cherché le soir où tu étais à Paris et je n'ai pas vu Nadège. Et hey, pardon, Floca, fous le temps, mais même bloqué. Toi-même, va te mettre là-bas. Regarde, je te bloque maintenant, c'est bon. J'ai cherché. Voilà. Voilà ce qu'elles sont capables de faire. J'ai cherché. Tu es sérieuse, mémé. Tout ce qui s'est passé, j'ai dit la vérité. J'ai menti, mémé. J'étais bloquée. Pas avec. Pas avec, mémé. Pas avec. C'était quoi que tu me donnais le souffle? Pas avec, mémé. On va se suivre. Tu vas me suivre ailleurs. Si tu ne te profites, tu viens. Je t'ai bloqué. Croti, crota, t'insulte. C'est pas grave pour Croti. Elle m'a même demandé pardon. Elle n'avait pas pris. Donc, j'ai dit que dis donc. Les pardons qui font. Les pardons qui sont en ébullition. Un coup, c'est oui. Un coup, c'est non. Ça ne me dérange pas pour Croti. Puis c'est Croti là-bas. Vous voyez? Non. Voilà. Mémé, j'étais bloqué. C'est bon. Pas avec Louné. Mémé était là-bas pour m'insulter. Voilà. C'est ça, mémé. Et puis tu viens m'écrire. Mais pardon, pas avec. Et à bloquer. Moi, c'est comme ça. Bloque facilement. Voilà. Donc, je vous aime beaucoup. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Et en direct, c'est une nouvelle insulte, dis donc. Regardez, j'insulte jusqu'à ce qu'elle ait 6 mois, 1 an. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Regardez, reste sur moi jusqu'en. C'est plus bon. Reste jusqu'en. Pardon, qu'elle me lève comme ça, tu m'oublies. Je vais te dire que, hé, non, c'est comment? Il faut rester sur moi. Mais elle était bloquée. Va, continue là-bas. J'ai pas besoin. Là-bas, foutre quoi. J'ai pas besoin d'elle. Je l'éprouve pas. Elle n'a pas besoin d'être bloquée, mémé. Attends, allez. Non, faut arrêter. Non, 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 faut laisser. Faut laisser. Vous êtes les Chinda. Mémé est Chinda Pro Max. Chinda numéro 8. Vous êtes tous des Chinda. C'est elle qui sait comment elle vous prend. Moi, elle ne me prend pas. Vous avez cru que comme j'étais sympathique, vous pouvez me prendre. J'ai refusé ça. Donc, je vous aime, baba. Je vais m'occuper des choses de ma famille. Jusqu'à trouver le mariage. Qui va trouver le mariage? Qui va marier une vieille fouette comme celle-là? Zéro mariage. Je vous aime. Merci beaucoup, la reine, mes bébés, pour ton œil juste. Oh, oui, merci, reine. Merci de m'avoir suivi. Merci aux intervenants qui sont montés dans le direct. Merci, tata Pépé. Là encore, tu as encore appuyé sur déranger. Nicole, Sonjo Nicole, la fille de Ngassa Janine. Ouais, je te salue, mon bébé. Sonjo Nicole, elle est montée. Pardon, débloque-moi. Nicole, là, c'est un cas. Ma femme nous a insulté, c'est pas tout. On était les deux premières qu'elle nous a insulté. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Je m'avais fait manger à mon chéri. Ouais. Oh, c'est un peu ça. Oui, je vais m'occuper de mon chéri. Oui, je vais bien me reposer. Je vais essayer de prendre des forces. C'est pas facile de revenir dans le froid après 38 degrés à Johannesburg et tout ça. C'est pas évident. Merci de m'avoir suivi. Merci des partages. Je sais que ce direct, vous avez beaucoup partagé. Merci, maman Perpé, comme j'ai dit tantôt. Nicole, il n'y a pas de souci, ma fille. Considère que tu es pardonnée. Je vais te répondre par vidéo interposée. Dans, hein? C'est qui ça? C'est qui répond là? Ta main qui vient là expliquer à quel moment j'ai été le centre que ça bouillit dans le, avec l'autre. Je vais lui rafraîchir la main, je vais te répondre. C'est qui? C'est qui est? Reine Mère, je suis obligé de te répondre par vidéo interposée. Ta main qui vient là expliquer à quel moment j'ai été le centre opérationnel de sa bouillie avec l'autre. De sa bouillie. Ah, ça c'est Bachot. Hey, Bachot est dans mon direct. Comment ça va, Bachot? Tu n'as pas ouvert les portes de l'église, père? Marie, moi, ma belle soeur d'amour. Trop de classe. Oui, je suis très classe. Je suis assis chez moi. Très belle marraine, merci beaucoup ma chérie. Oh là là, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. En attendant le prochain voyage, un coup de téléchargement. Bah, c'est ton compte ça. Hey, tu as un compte qui s'appelle Antoine Barreau. Ah, Antoine Barreau. Bah, ton nom a changé. C'est Bachot qui a écrit, non? Maman, je suis là. Il faut ouvrir les portes de l'église. Tu connais, non, Bachot? Je suis gentil. Quand ça me pique, je donne les petits mots. Tu connais, non? Oh, je dis, tu n'es pas la fois cotisé, tu es Bachot. Quand ça me pique. Parce que vous pensez que c'est vous, c'est qui a le droit de. Hein? C'est ça. Ouais, je vous aime. Merci pour l'éclair, Agathe. Merci tout le monde. Merci de m'avoir suivi. Je vais faire manger au père. Bisous là-bas. Bisous là-bas. Je vous aime beaucoup. Bye bye. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.